2, 3. Vas-y. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vais vous inviter à prendre place. Merci docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Le docteur, c'était pour la sono. Hein. Ne vous inquiétez. Après avoir désigné Madame Violaine Charpentier secrétaire de séance à l'unanimité, nous allons lui confier la lourde responsabilité de faire l'appel. Madame Charpentier, vous avez la liste des noms, les pouvoirs. Est-ce que vous avez vos lunettes? Oui. Parfait. Vous avez le micro alors. Ben oui. Je l'espère. Ok. Merci. Alors. Bonsoir à tous. Richard Delpierre. Présent. Charpentier Violaine, présente. Benoît Ribert. Louis-Marie Soleil. Présent. Véronique Siadoux. Présent. Christophe Consdorf. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Téménides. Présent. Philippe Collins. Présent. Marie-Laure Majou a donné pouvoir à Madame Siadoux. Anne Testu. Présent. Gilles Bertin. Présent. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly, présente. Dominique Forget, présente. Marie-Claude Chevrier, présente. Janine Bataille, présente. Patrick Berthomé, présente. Jean-Michel Venger a donné pouvoir à Tanguy Odic de Kernen, Tanguy Odic de Kernen, Géraldine Arenschneider, présente. Valérie Genquin donne pouvoir à Madame Testu, Agathe Méry donne pouvoir à moi-même, Joséphine Parmentier, Martial Prado, présent. Camille Ribert, présent. Jean-Christophe Voiseux, présent. Marc Sébly, présent. Lucie L'Oncle Duda, Marie-Cécile Godot donne pouvoir à Madame Ribert, Frédéric Rospini, présent. Jean-François Pemery, Maurice Toledano, Nicole Alquier. Non, elle n'est pas là. Bon, je mets un petit point. Karine Lemenné, présente. Fabrice Tabary. Brigitte Fauvel, Guillaume de Châtelut, Stéphane Gors, non, Dorothée Bilger, Caroline Ockringer donne pouvoir à Madame Bilger. Voilà, Monsieur le maire. S'il faut que je le rajoute là Non. Bon. Merci à l'administration de bien vouloir penser à graver dans le marbre la présence de Monsieur Le Grel. Donc Jérôme Le Grel, présent. C'est prévu, il n'est pas sur le... Pas dessus. Bah où? Alors? Bah je sais pas. Ah pardon, excusez-moi, je suis désolée. Pardon. Un gage. De toute façon, je suis bien remplacée, là, regarde derrière. Il va falloir que tu dises. Bien, merci beaucoup. Le quorum étant largement atteint, nous allons ouvrir un ordre du jour conséquent. Avec en première délibération l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 mars 2023. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur le contenu de ce PV? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci. Monsieur Soleil voulait faire une petite intervention rapide sur cette délibération. Oui, bonsoir à tous et merci Monsieur le maire. Oui, je me félicite que ce compte-rendu tout à fait détaillé de conseil municipal soit validé par tout le monde. Je considère que ça mettra probablement fin à un malentendu qui avait été créé en fin de conseil dernier entre certains membres de l'opposition et moi-même.
En revanche, je regrette beaucoup que ces personnes n'aient pas jugé bon de lire le compte-rendu avant d'adresser un projet de parution dans le prochain numéro du mensuel, parce que ce projet est là et il dit très clairement que le maire et son adjoint en finance, donc je me sens quand même un petit peu concerné, par solidarité avec le maire, bien sûr, ont pour seule réponse insultes et noms d'oiseaux. Donc je pense que ces faits sont tout à fait désagréables parce qu'ils ne sont pas avérés. Et la preuve, c'est que le compte-rendu, j'ai pas fini, Madame Lemene, le compte-rendu ne fait apparaître ni insultes ni noms d'oiseaux. Et je ne vois pas pourquoi j'accepterais que mon nom soit associé pour tous les Chesnay Courtois à un non-respect des gestes les plus élémentaires de la démocratie. Et donc, je souhaiterais que ces termes soient corrigés avant la parution de ce billet. On est dans le domaine de la diffamation, et la diffamation, ça ne se laisse pas passer. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Soleil. Madame Lemene, je vous vois agiter le micro. Je présume que vous voulez prendre la parole, mais rapidement. Attendez, mais ça ne marche pas. Si, ça y est. Oui, parce que je pense qu'ici, quand même, tout le monde est témoin de ce qui a été dit par Monsieur Soleil, notamment qu'on n'avait pas de cerveau, qu'on n'avait rien compris. Madame Lemene, relisez le compte-rendu, vous verrez que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. D'abord, on voit, moi, si je voulais, je pourrais très bien démontrer, même sur la vidéo a été coupée à certains endroits. Donc, ça, c'est une évidence. Et ensuite de ça, je pense que c'est pas un honneur pour vous, alors que tout le monde, ici, l'a entendu, quand même, bien. Vos noms d'oiseaux. Madame et on sait que vous êtes réputée pour faire des colles. Ça n'est pas dans le compte-rendu. Ouais. Pas dans le compte-rendu. Et justement, le compte-rendu existe, je le conteste. Vous venez de le valider, madame. Non, je ne l'ai pas validé. Si, vous venez de le valider, on vient de passer l'approbation du conseil. On va pas rouvrir ça. Madame Lemene, on ne va pas rouvrir le débat parce que c'était pas très très intéressant. Non, attendez, c'est pas moi qui ai ouvert le débat, c'est lui. Non. Mais avouez qu'il a dit, vous n'avez pas de cerveau. Enfin, il a dit Madame un certain nombre de choses, Madame Lemene, mais c'est pas votre honneur, Madame Lemene, Monsieur Madame Soleil. Lemene, non, mais laissez-moi terminer quand même. On ne va pas rouvrir le sujet. Vous me laissez terminer. Restez assise d'abord, Madame Lemene. Non, je ne reste pas assise. Madame Lemene, Madame Lemene, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, je ne m'assirai pas. Si, vous allez vous asseoir. Tant que vous ne me laisserez pas la parole. Non, mais je ne vous laisserai pas la parole parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, Madame Lemene, c'est Monsieur Soleil qui vient de mettre le sujet en disant je n'ai pas dit de mon d'oiseau. Il a dit des noms d'oiseaux. Vous allez vous asseoir parce que je ne vous laisserai pas parler. Bon, alors asseyez-vous. Asseyez-vous deux minutes. Vous devez me laisser parler. Non, vous allez juste m'écouter deux minutes. Le sujet, il a été réouvert par un écrit, Madame Lemene. Si vous voulez bien m'écouter, ce serait pas mal. Hein, puisque quand vous parlez, vous voulez qu'on vous écoute. Il a été ouvert par un écrit fait par votre groupe, un projet d'édito. C'est un écrit. Les mots, oui, sont écrits. Les mots sont écrits. Le maire et son adjoint, que vous en preniez à Monsieur Soleil, moi, je ne crois pas du tout à aucun moment, ni vous avoir insulté, ni vous avoir traité de nom d'oiseau. Et dans le... Écoutez, Madame Lemene, alors vous allez... On va relire ensemble tranquillement PV. Non, je ne vous ai ni insulté. La vidéo a été Madame coupée. Lemene, la je vidéo vous ai, a écoutez-moi, été coupée. Je ne vous ai ni insulté, ni traité de nom d'oiseau. Ah non, donc moi ça, non, c'est de la diffamation. Non, je vous dis que c'est ce que vous avez écrit. Non. Donc on va s'arrêter là. On va peut-être enlever Monsieur le maire, mais en tout cas, en ce qui concerne son adjoint, je pense qu'il est aussi coutumier du fait. Il aurait fallu, Madame Lemene, réfléchir avant d'écrire. Ouais, voilà. Non. Donc on va s'arrêter là. On s'est fait quand même traiter tous les noms parce que tout, nous avons dit tout, qu'il y avait du tout, 13 millions d'excédents. Du tout. Ni insultes, ni noms d'oiseaux. Voilà. Voilà. Hein. Donc on va s'arrêter donc, là. Il y a eu des insultes et des noms d'oiseaux. Je persiste et signe. Et vous avez qu'à faire un procès si vous voulez. Ah, mais il y a eu pas, des insultes et des noms d'oiseaux. Ni insultes, ni noms d'oiseaux. Bien, on va revenir maintenant à l'ordre du jour régulier. Je me suis permis d'inverser l'ordre du jour de notre conseil pour permettre à des jeunes élus qui sont au spectacle ce soir, d'avoir l'occasion d'une part de se présenter à vous, et vous verrez qu'ils sont parfois un peu plus civilisés que les adultes, et de nous dire quelques mots de la Color Run, et plus largement de ce qu'ils font au Conseil municipal des jeunes. Madame Charpentier, vous avez la parole. Merci. En fait, c'est... Franchement, là, tout de suite, pas vraiment, Madame Lemene. Alors d'abord, c'est Léane qui va vous parler de ce qu'ils font au Conseil municipal des jeunes. Et puis après, c'est Achille qui va m'aider à présenter la délib. Alors vas-y. Okay. Bah, déjà, merci de nous écouter. Et ensuite, je vais vous présenter du coup... Je vais vous présenter du coup ce qu'on fait au Conseil municipal des jeunes. Déjà, à la commission sport, loisirs et culture, on a la manifestation sportive merci. Raid Aventure qui aura lieu le samedi 14 octobre 2023.
Puis, à la commission développement durable et cadre de vie, il y aura la mise en place d'espaces sans tabac sur la ville, les aires de jeu, les écoles primaires, les crèches, le collège et le skatepark, etc. La journée intergénérationnelle organisée avec nos seniors pour aller ensemble. Seniors, j'ai du mal à lire, désolée. Le musée de la Grande Guerre à Meaux. Puis relancer la collecte de bouchons dans les écoles relais de la ville. Puis l'installation d'hôtels à insectes ou maisons pour hérissons dans les écoles, dans des écoles primaires. Et la commission solidarité ont pour projet non au harcèlement et sensibilisation à la sécurité routière, puis mise en place de marquages au sol en couleur. Voilà, désolée. Alors maintenant, merci. Alors aujourd'hui, nous venons pour vous faire valider, à vous, conseil municipal des Grands, notre projet du CMJ. L'année dernière, nous vous avions proposé d'organiser une color run appelée Chaîne Rock Color. 400 personnes ont participé, les enfants et leurs familles ont passé un moment génial. Cette année, nous souhaitons qu'une partie de l'argent puisse être reversée à une association. C'est pourquoi nous souhaitons en changer le tarif. En séance de travail du 1er avril, et ce n'est pas un poisson, Julien, en présence de monsieur le maire et d'un autre élu, nous a présenté un garçon qui s'appelait Clément Durand et qui a 10 ans, accompagné de son père. Clément est né avec une cardiopathie congénitale. À travers un témoignage qui nous a beaucoup touchés, nous souhaitons que la ville adhère à l'esprit d'entraide qui qualifie la grande majorité de Color Run en intégrant un soutien à l'association Petit Cœur de Beurre sous forme de don. C'est important pour nous d'aider les enfants et encore plus ceux de notre ville, car c'est avant tout ça le rôle du CMJ pour nous. Nous passons la parole à Madame Chaportier qui va nous lire le rapport de présentation de la délibération. Merci de votre attention. Merci Achille et merci Léane. Mais comment voulez-vous que je prenne la parole après, moi, c'est... Donc en fait, ils ont presque tout dit. Je vais aller juste sur les détails techniques. C'est notamment la gestion des inscriptions qui va être confiée à la société Adeorun. En fait, c'est un partenaire avec lequel on travaille pour la foulée. Et donc, ces frais de gestion, c'est 2,5% du tarif. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Simplement, désormais, les enfants vont payer 2 euros, dont 1 euro reversé à l'association. Donc, c'était avant, c'était gratuit pour eux. Et pour les 12 ans et plus, ça sera 7 euros, dont 1 euro reversé à l'association. Voilà. L'idée, c'est que les participants pourront faire un don libre au profit de l'association. Et les modalités du versement du chèque, ce sera pour une autre délib un peu plus tard. Et donc, est-ce que vous voulez que je détaille le tableau ou c'est assez clair sur les... Non, c'est bien ? C'est très clair. Bon, voilà. Donc, monsieur le maire. Bien, y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération qui nous rappelle à la fois que même pour des bonnes causes, il nous faut passer sous les fourches codines des modifications tarifaires, mais voilà, l'aventure du petit Clément était assez touchante et je suis très heureux que pour ce deuxième opus, la Color Run, comme beaucoup d'autres courses, nous permette à la fois de transpirer, mais aussi voilà, de récolter des fonds pour des jolies causes. Nous n'en manquons pas. Mais merci en tout cas à nos élus du CMJ et puis à Julien et aux équipes jeunesse de ce très joli travail, après maintenant presque 2 ans de vie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Ben oui, vous avez fait le plein. Bravo, merci infiniment. Et maintenant, il faut aller faire les devoirs. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection du président de séance pour l'adoption des comptes administratifs pour l'exercice 2022. Je propose... Non, je saluais l'arrivée discrète de Guillaume de Châtelume et soyez le bienvenu dans cette noble assemblée. Je vous en prie. Et donc, monsieur de Châtelume a pris part au vote, puisqu'il est arrivé avant le moment du vote, donc il a pris part au vote. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection du président de séance pour l'adoption des comptes administratifs de l'exercice 2022. Et donc je propose que Madame Charpentier s'acquitte de cette fonction pendant que je me retirerai de l'Assemblée.
Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour cette fonction? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Félicitations. Hop là. Monsieur Soleil, c'est parti pour une longue série de délibérations. Celle-ci concerne le compte de gestion du budget principal et du budget annexe à services de location, d'emplacement et de stationnement pour l'exercice 2022. Donc, il s'agit bien des comptes de gestion des deux budgets, le budget principal et le budget annexe. C'est important de le noter. Je vous rappelle que l'objet du compte de gestion, c'est un document comptable qui est produit par le comptable public, qui a deux parties. Une partie chiffres qui reprend tous les chiffres de l'année réalisée, de l'année achevée, et tous les documents justificatifs qui vont avec. Donc l'intérêt, c'est de confirmer que les comptes de la ville sont conforme à ce qui a été produit auprès du comptable public. Donc ce qu'on demande au conseil municipal, c'est ou de valider le compte de gestion ou de faire part de remarques qu'il pourrait avoir sur le compte de gestion. Voilà, merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci. Nous avons maintenant... Le compte administratif du budget annexe service location d'emplacement stationnement pour l'exercice 2022. Alors ce budget annexe, je vous invite à rejoindre directement le tableau du compte administratif qui fait apparaître assez clairement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous voyez qu'en section d'exploitation, on a d'abord commencé l'année avec un résultat d'exploitation reporté de 284 000 euros. Donc ça veut dire qu'on fait suivre la perte annuelle d'une année sur l'autre. L'année dernière, elle était de 284 000 euros. Elle plombe notre section d'exploitation d'autant pour cette année. On a en plus des frais qui sont assez constants. Je dirais 192 000 euros de charges à caractère général. Ce sont à la fois des charges locatives pour principalement Schweitzer et puis le silo, qui font à peu près 60 000 euros chacune. Et puis des frais classiques de l'électricité, etc. Des charges de personnel qui sont en fait la refacturation par le budget principal, par la ville, de personnel qui travaille sur le stationnement. Les intérêts des emprunts, puisque je vous rappelle qu'on a souscrit deux emprunts, l'un en 2019 et l'autre en 2021, pour un montant emprunté total de 780 000 euros. Donc on a des intérêts annuels à payer. Et en face, les produits d'exploitation que nous constatons pour 2022 sont pour la partie location à Schweitzer de 36 572,66 € et pour la partie ticket de stationnement 127 046,79 €. Donc on a un budget d'exploitation qui est considérablement déficitaire. Et le budget d'investissement, lui, est bénéficiaire parce qu'en fait, nous avons simplement... quelques dépenses d'investissement reportées qui sont des travaux aussi qui ont été réalisés dans les parkings. Et puis en face, nous avons le solde d'exécution d'investissement de l'année dernière dans les recettes. Voilà. Donc au total, nous avons 434 000 de déficit, 434 564,46 € de déficit en exploitation et 108 173,95 € de résultats positifs de la section d'investissement. Alors, je commenterai peut-être un petit peu plus le sens de ces budgets quand on passera au budget primitif, mais vous le savez, ces budgets sont structurellement déficitaires, et là, on ne fait que constater ce déficit structurel sur l'année 2022. Alors, nous avons mis en route un groupe de projets qui essayent de travailler sur le sujet. Malheureusement, ces projets sont mal fondés depuis l'origine et nous essayons chaque année de supporter les tares congénitales de ce projet. Ce n'est pas du tout évident parce que nous n'avons pas encore trouvé de baguette magique pour équilibrer ces budgets. On cherche des solutions qui sont ou partiellement palliative ou même qui pourrait être un peu plus définitive, mais pour le moment, nous n'excluons rien et nous n'avons pas encore trouvé de solution miracle pour équilibrer ces budgets. Voilà, donc là, pour le moment, il s'agit du compte administratif qui vous est demandé de valider. Alors, avant de
donner la parole à Madame Alquier, je signale sa rentrée dans le Conseil. Donc, je demande à l'administration de bien vouloir le noter et lui donne la parole si l'agitation du micro correspond à une demande de parole. Oui. Très bien. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais juste faire un commentaire parce qu'effectivement, nous avons mis en route un groupe de travail auquel nous participons. Et il me semble qu'on avait déjà quand même défini quelques axes de... Enfin, des actions à faire, comme peut-être baisser les prix, trouver des prestataires, etc. Voilà, on a quand même avancé et il faut trouver des... Voilà, on peut espérer qu'on va trouver des solutions. Donc, il faut au moins faire celle-là, quoi. Alors, juste un mot là-dessus, parce que le sujet du stationnement n'est quand même pas récent. La question de la recherche d'un prestataire, on se l'est posé il y a fort longtemps. De manière assez détaillée. Si on en avait trouvé un, je pense qu'on l'aurait tous testé. Donc, et je ne pense pas que la situation ait radicalement changé. L'émiettement de nos places de stationnement fait que nous n'atteignons pas la masse critique qui permettrait d'intéresser un opérateur un peu significatif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reposer la question, mais la question, je préfère le redire à toute cette assemblée, elle s'est posée il y a quelques années avant qu'on fasse ce choix de conserver nos parkings en régie. Donc ça, c'était pour le premier point. Sur la baisse des tarifs, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça règle fondamentalement la donne. Je crois qu'à l'aune de ce que nous vivons sur les parkings publics, on retouche du doigt le fait qu'il y a une offre très surcapacitaire de places en ouvrage public et privé sur cette commune. Voilà. Et que même si le stationnement payant en surface régule un petit peu la situation, elle n'a pas permis en tout cas d'inviter une partie de nos administrés à faire le choix d'abonnement. Voilà. Donc après, on peut philosopher à l'infini. Le parking le plus compliqué à remplir, c'est le plus gros. Le fait d'avoir les trois étages les plus bas du parking du silo, c'est pareil. C'était, je crois, de naissance. On peut se retourner vers ceux qui ont construit ce parking. Ça remonte à il y a très, 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 très longtemps. C'est comme ça. Donc on hérite d'un certain nombre de parkings. Il y en a quelques-uns qu'on pourrait peut-être imaginer voir évoluer. Mais le gros parking, le parking des silos, celui-là, j'ai pas de baguette magique et c'est quand même structurellement celui qui nous coûte le plus cher et qui rapporte le moins aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, je ne ferme rien, mais en tout cas, je voudrais pas que vous ayez l'impression qu'on n'a pas étudié un moment sérieusement la question d'une remise des clés à un exploitant dont ce serait le métier. Aujourd'hui, je doute fort que la réponse qui nous était faite il y a quelques années soit très différente. On n'a pas la masse critique. Et puis, pour le coup, je n'ai pas l'intention de construire 5 ou 6 autres parkings pour brutalement me retrouver avec suffisamment de place pour intéresser un opérateur privé. Mais si jamais il y a quelqu'un qui manifestait de l'intérêt pour l'un ou l'autre de nos parkings, je vous assure qu'on l'accueillerait avec plaisir. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée de voir si des gens, des acteurs économiques qui géraient des flottes de véhicules, je pense notamment à des exploitants d'ambulances, qui ont des besoins de stationnement en proximité de l'hôpital, ça permettrait peut-être de régler une petite partie du problème. C'est plutôt vers ce genre de solution assez pragmatique qu'on se tourne pour l'instant à brève échéance, mais ça ne va pas fondamentalement régler l'équation structurelle de ce compte, qui est un vrai sujet de préoccupation, pas nouveau, mais qu'on partage avec vous. En tout cas, merci d'avoir participé au groupe de travail. Il n'est pas fermé, et donc je pense qu'il faudra réinterroger nos ménages sur le sujet pour voir ce qu'on peut trouver. Je repartage aussi avec vous la possibilité peut-être demain de tester des solutions autour de la logistique du dernier kilomètre. Ça peut être tentant. Après, on est bien conscient que pour faire de la logistique du dernier kilomètre propre, il faut quand même qu'il y ait des camions moins propres qui arrivent. Donc la partie parking, elle permet de garer des véhicules propres pour assurer la desserte fine. La question, c'est où est-ce qu'ils vont se recharger. Voilà, donc je n'ai pas non plus la solution, mais peut-être que demain, il faudra essayer d'être un peu novateur et de prendre des risques là-dessus pour utiliser au mieux nos parkings. Voilà, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vais me retirer de cette assemblée et laisser la présidence à Madame Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Bon, pour ce compte, il est retiré ? Bien. Alors, donc, y a-t-il des votes contre pour ce compte administratif ? Et y a-t-il des abstentions ? Eh bien, ce compte administratif est adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Merci. Alors, nous allons passer au budget primitif du budget annexe service de location d'emplacement. Non, il y a l'affectation du résultat. Ah ben alors. Mais oui, vous avez raison. Donc, affectation du résultat. L'affectation du résultat. Nous venons de voir que le résultat d'exploitation 2022 était déficitaire à hauteur de 434 564,46 €. La section d'investissement, elle est bénéficiaire à hauteur de 108 173,95 €. Les reports sont de zéro en les reports de la section d'investissement sont de 0 en recettes et 37 164,68 € en dépenses, soit un solde débiteur de 37 164,68. Donc d'une part, le solde global de la section d'investissement est créditeur, donc on n'a pas besoin de le financer. De toute façon, nous n'avons pas les moyens de le financer, parce que pour le financer, il faut avoir du bénéfice en exploitation, et nous n'avons qu'une perte. Donc ce qui est proposé, c'est tout simplement de laisser chaque chose en l'état, les dépenses, le déficit d'exploitation en exploitation et le bénéfice d'investissement en investissement. Voilà. Il n'y a pas de résultat, donc il y a pas, l'affectation de résultat est réduite à sa plus simple expression. Fort de ce rapport synthétique et un brin définitif, y a-t-il des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous repassons à la délib numéro 8. Donc là, cette fois-ci, c'est le budget primitif de ce budget annexe pour l'exercice 2023. Je reprends mon document parce que tout s'était éteint. Voilà, donc on va pas refaire le couplet précédent. Le problème qui se présentait en 2022, que nous venons de valider, de constater, se reproduit en 2023. Et le tableau que nous... Voilà, le tableau qui est la pièce jointe numéro 2, vous faites apparaître des chiffres qui sont assez comparables à ceux qu'on vient de voir pour le compte administratif. Sauf que là, au lieu de démarrer l'année avec un résultat reporté de moins 284 000, on commence avec ce qu'on vient de voir, donc moins 434 564. Et puis, dans les prévisions de dépenses de fonctionnement, on a toujours à peu près les mêmes, donc environ 190 à 200 000 de charges générales, qui sont un peu détaillées ici. Toujours les mêmes 20 000 de frais de personnel, le remboursement de l'emprunt, les dotations aux amortissements pour 95 000, et bon, on arrive à un total de prévisions de dépenses de 760 000 euros. Le problème, c'est qu'on est obligé d'équilibrer notre budget, donc on a prévu en face 760 000 euros de recettes, sur lesquelles je ne ferai pas de commentaires parce que je pense que ça n'est pas utile. Et en investissement, on a quelques reliquats de travaux. Qui sont, alors on pourrait se demander pourquoi on dépense encore des investissements, mais comme on a des installations, il faut les entretenir, il faut les mettre aux normes, etc. Donc on n'a pas tellement le choix. En plus, certains d'entre eux ne sont pas tout à fait comme il faudrait pour les louer correctement. Donc on fait un minimum de travaux. Enfin, quand je dis minimum, c'est minimum, minimum même. Et en recette d'investissement, on a toujours les amortissements pour 95 000 euros à peu près. Donc on a un budget d'investissement qui s'équilibre à hauteur de 204 000 euros. Voilà, donc 204 000 euros pour l'investissement, 760 000 pour le fonctionnement. Avec une perspective, on peut s'en douter, de pertes constantes de 150 000 à 175 000 euros par an. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce BP 2023? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant basculer dans l'univers du budget principal ville avec le compte administratif pour l'exercice 2022. On peut, mais c'est pas tout de suite. C'est avec le BP. Monsieur Soleil. Oui, excusez-moi. Le compte administratif. Donc, oui, je pense qu'il est utile de s'étendre un peu sur le compte administratif. À l'occasion du dernier conseil municipal sur les orientations budgétaires, nous avons eu l'occasion d'aborder le compte administratif. Donc,
Et j'ai entendu à cette époque que certains membres de l'opposition, peut-être un petit peu remontés ce jour-là, nous ont traités, je précise, je fais très attention aux termes que j'emploie, nous ont traités de voleurs parce qu'en fait, ils ont proféré le qualificatif de hold-up. Et qui dit hold-up dit vol à main armée. Ça veut dire que les gens qui sont responsables d'un vol à main armée sont des voleurs. Donc ce que j'ai entendu, c'est que nous étions des voleurs. Je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus parce que c'est quand même un petit peu... c'est quand même un peu dur d'entendre ça, d'autant plus que je pense que notre mandat d'élu nous confère une responsabilité à tous, qui est d'informer correctement les chaînes courtois. Je pense qu'en l'occurrence, l'information n'est pas exacte. Et notre responsabilité plus particulière à nous, équipe majoritaire, c'est de faire en sorte que, effectivement, chaque chaîne courtois puisse avoir une information sérieuse, exacte, sur la gestion de la ville et en particulier la gestion budgétaire. Alors, effectivement, on peut constater, je vous invite à vous... reporté à la pièce jointe numéro 2, par exemple, ou 1, les deux sont valables. Et effectivement, on constate qu'on a un résultat de fonctionnement de 13,4 millions, qui est causé, on avait abordé ça la dernière fois, qui est causé par, en fait, par rapport à ce qui avait été inscrit au budget. Des dépenses de fonctionnement qui sont en diminution par rapport au budget de un peu plus de 2 millions, 2 millions 2, qui sont bien identifiées. Cet écart est bien identifié. Hein, c'est essentiellement des dépenses d'énergie qui sont moindres que prévues. Et puis, des dépenses aussi qui avaient été prévues, par exemple, en voirie, en informatique, et qui n'ont pas été réalisées. Donc, on a fait 2 millions... d'économies sur les dépenses. Et puis, par ailleurs, à côté de ça, on a 2,2 millions de recettes supplémentaires par rapport au budget. Alors, pour voir ces choses-là, il faudrait qu'on se reporte ensemble, si vous le voulez bien, au tableau qui s'appelle PJ3, qui sont les dépenses de fonctionnement. Et en parallèle, il faudrait que vous arriviez à jongler pour avoir la PJ4, qui sont les recettes de fonctionnement. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit absolument essentiel pour notre explication du jour de rentrer dans tous ces détails, mais voilà, on a 2 millions de dépenses en moins par rapport au budget et 2 millions de recettes en plus, dont les droits de mutation pour 900 000 euros et les produits d'exploitation et domaniaux pour 1 million d'euros. Alors effectivement, ça nous conduit à un résultat qui est 4,4 millions supérieur au budget. Et comme le budget déjà envisageait... virement à la section d'investissement de 9 millions, on arrive bien à 13,4 millions. Alors effectivement, c'est exceptionnel. Je tiens quand même à dire que c'est exceptionnel, mais qu'il était déjà de 9 millions l'année dernière, 9,4 millions, et qu'il était en 2019, je crois que nous n'étions pas responsables de ce résultat, en 2019, il était de 8,6 millions. À l'époque, il était de 8,6 millions, ça n'avait choqué personne. L'opposition ne s'y était pas opposée, d'ailleurs. L'opposition dont je faisais partie ne s'y était pas opposée. Madame Le Ménet, s'il vous plaît. Et à l'époque, ça n'avait choqué personne. Et en fait, je pense que la démarche était la même. La démarche était celle de constituer des réserves. Alors, pourquoi ces réserves augmentent-elles? Tout simplement parce que les besoins augmentent. Et à résultat exceptionnel, il y a aussi des causes exceptionnelles. Je rappelle qu'on n'a pas depuis longtemps 1,7 million de pénalités à SRU à payer chaque année. Ça représente 10 points de fiscalité. On a haussé les impôts de 30%. Je rappelle à Mme Alquier que ce n'est pas 34,4, c'est 30%. C'est quand même important qu'on ne fasse pas des arrondis de cette nature. Donc la hausse de la pénalité SRU, 10 points de pénalité. Et puis on a eu aussi, pour la première fois, des augmentations de salaire qui sont supérieures à ce qui s'est produit depuis 15 ans précédemment et des augmentations du coût de l'énergie qui n'est effectivement que nous n'avions jamais vu aussi depuis 6 ou 7 ans. Donc tout était constant et tout d'un coup, on a des dépenses supplémentaires qui sont absolument incontournables, qui sont d'ailleurs qu'on ne peut pas camoufler, que tout le monde les connaît. Hein. Donc il faut prévoir de pouvoir les payer parce qu'on ne pourra pas dire au comptable public qu'on ne paie pas ses dépenses parce qu'on n'a pas d'argent. Donc nous avons anticipé ces besoins de financement et c'est pour ça que nous avons en particulier augmenté la taxe de 30%. Pour à la fois permettre d'équilibrer notre budget et surtout de continuer à pouvoir autofinancer nos dépenses d'investissement courantes. Nous verrons tout à l'heure, quand on parlera du budget primitif, que dans les dépenses d'investissement, il y a deux catégories, et dont l'une d'entre elles, qui est pratiquement la seule qui soit vraiment incompressible, est destinée à être financée par l'autofinancement et non pas par l'emprunt. Voilà, donc la raison de ces 13,4 millions, c'est pas simplement... de camoufler de l'argent ou d'arrondir les fins de mois du maire et de l'adjoint en finance, c'est simplement de préparer l'avenir pour pouvoir payer ce que nous avons à payer.
Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention, madame Alquier ? Forcément, je vais répondre à monsieur Soleil. Je ne vais pas utiliser du tout les termes qu'il a employés. C'est vous qui interprétez et qui transformez les mots. Et je n'ai fait que dire. Vous faites exprès ou... Sabotage. Bon, ça y est, voilà. Bon, je ne vais pas vous taxer de sabotage quand même, non. Hein. Bon, allez, on peut plaisanter. Alors, je n'ai pas du tout employé ces mots-là. Et en fait, je n'ai fait que dire exactement ce que vous venez d'expliquer. Les 13 millions 4, les 4 millions 4. Je n'ai rien dit d'autre. C'était exactement ce que vous nous aviez dit avant. Simplement, vous aviez effectivement augmenté énormément le coût de gestion de service. J'avais déjà expliqué tout ça la dernière fois. Donc, je maintiens. Parce que vous redites la même chose, en fait. Donc, les 13 millions 4, c'est quand même un record. Et quand je parlais de hold-up, c'est plutôt que je... Je l'ai dit. Mais moi, je suis honnête. Moi, j'ai dit ce mot, mais je n'ai pas dit ce que vous avez dit, vous. Et en fait, vous avez quand même récupéré le pouvoir d'achat qui avait été rendu au Chesnay-Courtois par le président de la République avec, en enlevant la taxe d'habitation. Donc ça reste vrai, quoi que vous en dites aujourd'hui. Et la dernière fois, ça reste vrai. Et par contre, effectivement, c'est vous qui m'avez plutôt agressé la dernière fois et vous avez même dit que je n'avais pas de cerveau, que j'étais grotesque et que j'étais misérable. Donc, si vous voulez, on n'est pas là pour faire... on ne voudrait pas faire refaire ce qui se passe à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout l'objet. Mais donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Et je confirme donc que ce gain de 13,4 millions provient bien quand même de la hausse d'impôts qui n'était pas vraiment justifiée. Puisque voilà, il faut effectivement faire des réserves, mais il faut équilibrer les choses, en particulier dans une période difficile où les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Il y a des retraités qui ont du mal à finir les fins de mois. Il y a des jeunes familles qui ont du mal à payer leurs emprunts. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être équilibré. On peut appeler l'impôt quand il le faut, quand on a une hausse de l'énergie, etc. Mais pas de façon aussi brutale. Et on voit bien le résultat. Quoi que vous disiez, on a bien 13,4 millions de bénéfices. Donc voilà, c'est tout, c'est clair, c'est factuel. On a 13,4 millions de solde de fonctionnement pour l'année 2023, mais on a aussi un certain nombre de choses à payer avec ce solde de fonctionnement, dont des dépenses qui sont totalement exceptionnelles et que vous n'avez jamais rencontrées dans les exercices précédents et qu'il faut bien qu'on paye quand même. Donc si on a nettement plus de dépenses, il faut qu'on ait plus de recettes. On aura plus de recettes pour cette année, pour les suivantes. Et maintenant, on va faire en sorte d'équilibrer au mieux notre gestion pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait des services de qualité comme avant, et un budget équilibré comme avant, et la capacité d'entretenir notre patrimoine beaucoup mieux qu'avant. Madame Bilger, puis je répondrai après. Bonsoir à tous. Non, je souris quand même un tout petit peu sur ces histoires de bénéfices, puisqu'on a l'impression que tous les ans, on a exactement le même sujet, quelle que soit la majorité en place. Donc, monsieur Soleil, vous faisiez la même chose du temps de Philippe Briot. Et donc, c'est assez amusant de voir ce débat revenir aujourd'hui. Sauf que je n'ai jamais critiqué le résultat d'exploitation. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Bon, voilà, c'est juste sur l'anecdote qui est assez amusante. Au-delà de ça, plus sérieusement sur les comptes, j'entends vos explications. Nous avons effectivement, vous avez proposé une hausse très significative donc de l'impôt. On ne va pas revenir dessus l'année dernière. J'entends effectivement la reconstitution d'une capacité d'autofinancement face à un programme d'investissement dont on parlera tout à l'heure, qui est certes ambitieux, dont on parlera. Et effectivement, vous êtes face à des dépenses exceptionnelles. Dont acte, je l'entends.
et il y a le bénéfice du doute pour la suite. C'était bien pourquoi j'avais une inquiétude certaine sur l'augmentation des impôts qui pouvaient encore arriver aujourd'hui, sur l'exercice 2023. Sans anticiper sur le budget que vous allez nous présenter, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et pour l'instant, je peux suivre votre logique financière. Voilà. Avec le bénéfice donc, du doute sur la suite. Voilà, nous parlerons après, bien entendu, du budget plus en détail. Mais bon, je reviens sur le côté arrêtons de sourire, sur chacun se renvoie la balle. C'est un peu ridicule. Voilà, merci. Bien, merci Madame Bilger. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je n'ai pas de regret, moi, sur les choix que nous avons faits en matière de fiscalité. Je redis, on peut faire à peu près dire tout ce qu'on veut aux chiffres, mais on ne peut pas dire qu'avec l'augmentation d'impôts qu'on a fait, on a fait payer plus d'impôts chez Nécourtois. Je pense que ça a été démontré qu'on est... Alors, je trouve assez savoureux, Madame Alquier, que vous fassiez la pub du président de la République. Je ne savais pas que... Vous vous intéressiez, moi je redis que les chaînes Courtois, aussi paradoxal que ça puisse paraître, auront payé l'an dernier moins d'impôts que l'année d'avant, c'est factuel, je sais que ça vous embête un peu mais c'est factuel, donc que leur pouvoir d'achat n'a pas été obéré par les choix qu'on a fait, que les choix qu'on a fait effectivement nous les avons fait pour préserver une capacité d'investissement, et je redis que c'est en période de crise qu'il faut avoir le courage d'investir, et non pas comme vous l'avez dit depuis 2 ans, faire le choix de baisser les investissements, c'est se tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Mais ça, c'est une vraie question de philosophie. Et feuilleter les livres d'histoire et d'économie, vous verrez que malheureusement, ils me donnent plutôt raison. Et donc, je crois très nécessaire, il y a tellement de rattrapage à faire, très nécessaire donc de préserver cette capacité d'investissement. Et puis après, Madame Alquier, j'attends toujours une contre-copie. Vous avez beaucoup critiqué, vous avez beaucoup critiqué les choix que nous avons faits en matière de fiscalité l'an dernier. J'ai pas vu pour l'instant l'ombre d'une copie où vous rendiez les 5 millions que nous avons prélevés pour préserver notre capacité d'investissement, et vous nous avez à aucun moment proposé un budget équilibré sans cette hausse d'impôts. Donc c'est très facile de critiquer, je l'entends, mais on est au moment du vote du budget, vous avez eu 1 an pour faire des contre-propositions, je ne demande pas, d'aller aux chiffres après la virgule, je n'ai rien vu ni de près ni de loin que des critiques, mais aucune contre-proposition qui permette de tenir un budget équilibré sans toucher à l'impôt. Voilà, c'est factuellement ce que je constate. Donc je ne vais pas polémiquer parce qu'on va, avoir l'occasion de voter la proposition de budget. Donc vous aurez l'occasion de nous faire démonstration que vous avez mis à profit le temps qui vous a été donné pour faire des contre-propositions et peut-être pour proposer une baisse d'impôts sur cette année. Mais j'en doute assez fortement. Voilà ce que je voulais dire, Madame Alquier. Si pas de souhait d'intervention. Je peux pas parler. Si, je peux parler. Si, oui, vous merci. Pouvez parler, Madame Alquier. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça dépend de ce qu'on dépense. Ça dépend des choix que l'on fait. On n'a jamais dit qu'on ne devait rien faire. Donc ce n'est pas la peine d'inventer une histoire. Mais je n'invente rien. Madame Alquier, vous avez critiqué vertement l'augmentation d'impôts. Vous n'avez fait aucune... Oui. L'an dernier, je vous ai posé la question. Je n'ai pas vu l'ombre d'une piste sérieuse de baisse des dépenses de fonctionnement, Madame Alquier. Non, mais qu'est-ce qui, qui gère la ville? C'est vous ou c'est moi? Madame Alquier, moi, je veux bien reprendre la main. Madame Alquier, vous êtes dans votre rôle. On change d'exercice. J'étais à votre place pendant 5 ans, donc l'opposition, je vous connais un petit peu. Le seul luxe de l'opposition, c'est de faire des contre-propositions. C'est son seul luxe. C'est de dire choix que nous voulons faire et nos priorités. Mais vous n'avez proposé aucune baisse significative des dépenses de fonctionnement qui nous permette de nous passer de la hausse d'impôts. Nous, nous avons fait le choix d'assumer le maintien en pleine capacité de toute l'offre de services publics que nous assurons. Mais à un moment, il faut en assumer les conséquences. Voilà. Mais si, Madame Alquier, je vous le redis, ne me dites pas non. C'est comme ça. Attendez. Mais je le redis, on va avoir l'occasion de redébattre des propositions budgétaires pour 2023. Oui. Mais je vais écouter avec attention parce que sur le DOP, vous avez été assez discrète pour tout vous dire. Donc pas du tout, j'ai dit exactement ce que j'avais à dire et ça vous a suffisamment pas grand chose, alors. C'était pas énervé grand chose. Pour m'insulter. Donc, non, si alors voulez... je ne vous ai pas insulté, Madame Alquier. On ne va pas rouvrir le débat. Hein. Non, Madame Alquier, je ne vous ai pas insulté. Donc, je si ne vous laisserai pas dire. Si on pouvait effectivement changer de mode de fonctionnement, mais ça on va vous écouter très bien. Sur les propositions. Si pas d'autres souhaits d'intervention, Madame Charpentier, je vais me retirer dans mes appartements. Bien. Y a-t-il, pour ce compte administratif, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Eh bien, ce compte administratif est voté à l'unanimité. Merci, monsieur le maire.
Alors, affectation du résultat de ce BP, car il y a un résultat affecté, Monsieur Soleil. Non seulement il y a un résultat affecté, mais d'ailleurs la signification d'un résultat annuel ne doit pas être décorrélée de ce qui se passe l'année d'avant et ce qu'on veut faire l'année d'après. Le résultat d'une année se comprend d'autant mieux qu'on sait ce qu'on va faire avec. Et effectivement, nous savons ce que nous allons faire avec. Et donc, voilà, ça dicte un petit peu l'affectation des résultats. Merci, Madame Le Ménet, pour votre sens de l'humour. Vous allez détendre l'atmosphère d'un seul coup. Donc, le résultat de fonctionnement cumulé, donc, ça se monte à 13 420 011,15 €, soit un excédent. Le résultat de la section d'investissement, lui, en revanche, est négatif à 4 061 140,51 €. Le solde des reports d'investissement est négatif, puisqu'il y a plus de reports de dépenses que de recettes. Il est négatif à hauteur de 2 334 603,45 €. Donc, le besoin de financement de la section d'investissement, c'est la somme, les deux chiffres étant négatifs, de 4 061 000 et de 2 334 000, ce qui fait 6 395 743,96 €. Donc, nous avons l'obligation légal de compenser ce besoin de financement, ce qui veut dire qu'une fraction du solde de fonctionnement ira couvrir ce besoin de financement et l'autre restera en fonctionnement. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'affecter ce résultat pour partie à hauteur de la section d'investissement pour 6 395 743,96 €, et l'autre partie, c'est-à-dire pour 7 024 267,19 € de la laisser en fonctionnement pour l'année 2023. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition d'affectation ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. L'affectation, c'est fait. Flavie ? Merci. Budget principal. Donc là, je vous propose de travailler avec le support qui est projeté, d'une part, et d'autre part, les quatre tableaux bien classiques que vous connaissez, qui sont les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement, qui sont les pièces jointes 3, 4... 5 et 6, mais on ne va pas les prendre ensemble, je vous rassure. Donc je vous invite à ouvrir sur votre tablette la pièce jointe numéro 3, qui sont les... la 4, parce qu'elles ne sont pas dans le même ordre, qui sont les dépenses... Non, c'est la 2, pardon. Oui, voilà. Pièce jointe numéro 2, dépenses de fonctionnement. Et puis on peut passer les slides. Alors, je commence par vous rappeler les orientations budgétaires que nous avons retenues au cours du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu le 16 mars. Hein. Donc, je rappelle que nos objectifs, c'était de maintenir le taux communal de taxes foncières inchangées, de maintenir l'offre de services publics inchangés en qualité et en quantité, de contribuer à alléger un peu la charge des familles en prenant en charge partiellement les augmentations de coûts des services, je dis bien de coûts des services, on ne fait pas de bénéfices sur les services. On avait aussi décidé, et c'est un vrai choix politique, de soutenir les associations, puisque vous savez tous que le budget est assez conséquent, donc on avait confirmé notre souhait de soutenir les associations et tout le tissu associatif. Un choix un peu singulier, mais qui est nécessaire, qui est d'améliorer la propreté urbaine. Ce que je veux dire c'est que si on décide d'améliorer la propreté urbaine, on donne des moyens aux services de propreté urbaine. Et donc, on a en face des coûts de fonctionnement supplémentaires et des coûts d'investissement supplémentaires. Et puis, bien évidemment, dans nos orientations, on en a parlé tout à l'heure, on en avait parlé le 16 mars, il y a bien évidemment la nécessité de préserver l'autofinancement et de restaurer l'épargne. Alors, pardon, c'est peut-être un poil rapide. J'avais mentionné sur le slide précédent que l'autofinancement, ce n'était pas par plaisir d'améliorer le bénéfice et de faire hurler un certain nombre de nos opposants.
c'était par nécessité d'avoir de quoi financer les investissements court terme, parce que l'autofinancement, c'est une recette court terme, c'est à mettre en face des investissements court terme. Je suis désolé, je vous ai un peu perdu. Merci. Donc ça, c'était les orientations budgétaires pour le fonctionnement. Pour l'investissement, les orientations que nous avons retenues, c'était réaliser le PPI. Alors, il est engagé, donc on n'a pas tellement le choix. On ne va pas reculer maintenant. Engagé, ça veut dire qu'on a passé des commandes, on a obtenu des subventions, etc. Donc, il est franchement engagé. Réaliser de la même façon le SDMU, qui ne fait pas partie du PPI pour des raisons de construction, mais et qui relève un peu de la même logique. C'est un programme pluriannuel. Je vous rappelle qu'on est sur un programme actuellement triennal. Nous avons commencé la tranche 1 et que nous sommes à cheval entre la tranche 1 et la tranche 2. Donc nous avons l'objectif de poursuivre la réalisation de ce programme de mobilité urbaine. Entretenir le patrimoine, c'est tout ce qui est travaux courants. Chacun ici sait que toute l'année, on est obligé de faire des travaux dans tous les bâtiments publics et même à l'extérieur des bâtiments publics, en espace vert, etc. C'est de l'investissement, c'est l'entretien du patrimoine et on n'a pas le choix, il faut le faire. Je rappelle que dans un certain nombre d'autres entités qui peuvent être privées, on a des budgets pour la maintenance des bâtiments qui sont des budgets qui correspondent à un montant de la valeur du patrimoine immobilier. Et chez nous, il faut qu'on considère que ça devrait fonctionner à peu près pareil. On a aussi l'obligation légale de poursuivre l'isolation des bâtiments puisqu'on a derrière tout ça une loi qui est porteuse potentiellement de pénalités, et on sait ce que ça coûte de ne pas respecter les lois porteuses de pénalités. Au bout d'un moment, ça vous rattrape et ça coûte cher. En l'occurrence, en plus, l'isolation des bâtiments, on peut tous concevoir que ce n'est pas une décision administrative et gouvernementale idiote. Hein. Plus on isole, moins on consomme. Alors nous avons dans cet esprit-là l'initiation de la rénovation de l'éclairage public. Jusqu'à présent, on n'avait pas envisagé grand-chose parce que les gains associés au coût n'étaient pas dans un rapport très intéressant. En l'occurrence, la rénovation que nous proposons nous permettrait d'économiser 300 000 euros au tarif actuel de l'électricité. Hein. 300 000 euros de coût d'électricité par an, ce qui est quand même considérable. Et donc ça justifie d'autant plus de commencer assez rapidement cette rénovation de l'éclairage public. Et puis, évidemment, en conséquence de tout ça, tout le reste va être extrêmement limité parce que tout simplement, nous n'aurons non seulement pas forcément les moyens financiers de financer d'autres gros projets, mais surtout, nous n'aurions pas forcément non plus les ressources en hommes pour conduire ces projets. Alors, sur le plan de budget de fonctionnement, donc en dépenses, vous avez le tableau sous les yeux. Ce que j'ai surligné, je dirais, ce que j'ai mis en évidence, c'est les participations obligatoires qui sont identiques, sauf que vous constaterez que la pénalité SRU n'apparaît que pour 497 000 euros et non pas 1,6 million ou 1,7 million. Et tout ça grâce aux 1,148 000 euros qu'on a investis en 2021. Je vous rappelle que le fonctionnement de tout ce qu'on investit pour le logement social en année N est déduit de la pénalité d'année N plus 2. Donc en année N, on avait investi un certain nombre de choses dont je pourrais vous donner les détails si ça vous intéressait. Enfin, ça faisait 1 148 et donc on n'a plus cette année que 497, le total faisant 1645, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui correspond à peu près à la pénalité annuelle que nous devons. On peut noter aussi qu'on a 10% de plus que l'année dernière de subventions aux associations, mais c'est un peu en trompe-l'œil puisque on est revenu au niveau des subventions qu'on octroyait en 2019 et 2020. C'est pas nous qui avons jonglé avec les chiffres, c'est simplement que les demandes ont été en baisse l'année dernière, nous les avons satisfaites, elles sont de nouveau en hausse cette année, nous avons de nouveau satisfaites puisque en fait nous avons répondu à hauteur de leurs demandes à 95% des dossiers de demande. Et les 5% restants, ce ne sont pas des refus, ce sont parfois et souvent d'ailleurs des subventions accordées en dessous de ce qui avait été demandé. La masse salariale, là aussi, il y a des fausses informations, volontairement fausses, je pense, qui sont propagées. Donc je rappelle que, et vous pouvez le constater sur le budget, que la hausse prévue n'est que de 1,56. Ça, c'est la hausse entre le réalisé 2022 et le budget 2023, ce qui correspond à 300 et quelques 1000 euros. Et que si l'on prend la hausse de la masse salariale entre le réalisé 2019 et le budget 2023, c'est-à-dire sur 4 années d'exercice, on arrive à une hausse moyenne de 2,15% par an. On n'est pas à 2 millions sur 2 ans, comme certains s'amusent à le dire depuis longtemps.
on est à un petit peu moins de 2 millions sur 4 ans. Voilà. C'est quand même important de le préciser. Évidemment, on peut toujours prendre les chiffres comme ça nous arrange et leur faire raconter à peu près ce qu'on veut, mais les chiffres ont une objectivité, comme je le disais lors du précédent conseil, que les esprits n'ont pas toujours. La gestion des services est effectivement en hausse de 3,7 millions. Alors là, c'est pareil, on va entendre hurler, c'est un scandale. Alors ces 3,7 millions, c'est pas pour aller se promener au bout du monde, hein, c'est 2 millions de surcoût des énergies. Je rappelle que notre gaz, notre électricité ont augmenté dans une proportion considérable et que les estimations que nous avons faites pour le moment, c'est que ça va nous coûter 2 millions de plus en 2023 par rapport à 2022. Sauf si c'est un volume constant, parce qu'on ne peut pas encore préjuger trop du résultat des réductions de consommation. On a aussi 700 000 euros de dépenses nouvelles, qui sont des dépenses, alors en particulier sur Langevin. Par exemple, on a 150 000 euros de dommages ouvrages pour Langevin qui apparaissent en fonctionnement, qui sont effectivement des dépenses un peu exceptionnelles. On a la suite du feuilleton Autolib qui nous poursuit, et des pénalités des contributions aux frais du syndicat qui augmentent parce que les risques juridiques augmentent dans le conflit qu'ils opposent à Bolloré. La propreté urbaine qui rentre là-dedans, c'est une initiative nouvelle, c'est des coûts supplémentaires. Et puis on a aussi pas mal de coûts supplémentaires, enfin par rapport aux années précédentes en informatique. Et en particulier qu'on analyse de la façon suivante, un certain nombre de nos prestataires auxquels on achetait des équipements ou des licences auparavant qui étaient chargés en investissement, de plus en plus préfèrent des solutions qui rentrent maintenant dans le champ du fonctionnement, c'est-à-dire des solutions intégrées avec des paiements qui sont d'une autre nature. Donc il y a un léger transfert. Ça ne veut pas dire qu'en investissement, ça baisse beaucoup, vous allez le voir. Et puis on a 900 000 euros qui sont un peu répartis sur tous les services qui correspondent à peu près à l'inflation, puisque l'inflation étant comprise entre 5 et 7, ce n'est pas très clair. Comme on a 10 millions de dépenses des services, 7% sur 10 millions, ça fait 700 000 euros. Là, on en a 900 000, on n'est pas très loin en grande masse de ce qu'il faut avoir en tête comme ordre de grandeur. Par ailleurs, je le cite, ce n'est pas un très gros montant, mais ça vaut la peine d'être noté, c'est que l'intérêt de la dette augmente, puisque précédemment, on avait des taux d'intérêt qui étaient faibles et vous n'avez pas... Vous n'avez pas omis que l'information selon laquelle ça a considérablement augmenté. On vous donne deux valeurs de moyenne. L'année dernière, les taux d'intérêt de notre dette étaient en moyenne, hein, puisque vous savez qu'on a beaucoup de lignes d'emprunt, à 1,6%. Cette année, ils seront à 2,4%. Ça fait un écart de 80 points. 80 points sur le volume de notre dette, ça fait 170 000 euros. Et puis, dans les dépenses, entre guillemets, de fonctionnement, il y a l'autofinancement qui servira alimenter les recettes d'investissement, nous allons le voir tout à l'heure, et que pour le moment nous anticipons à 9,6 millions. Ce qui amène à un total de prévision de dépenses de fonctionnement de 61 115 000 euros, qui est bien sûr, et je le rappelle parce que c'est quand même important, qui est une prévision. Ça ne sera pas le chiffre réalisé en fin d'année. Un budget, c'est un budget, un réalisé, c'est la réalité. Donc, on peut passer maintenant aux recettes. Donc, les recettes, la fiscalité directe augmente de 1,5 million parce que les bases locatives augmentent de 7,1 millions. C'est la décision de l'État pour essayer de compenser le malaise économique dans lequel se trouvent toutes les collectivités locales. Ça compense plus ou moins l'inflation, en fait. Les droits de mutation, en revanche, nous avons réduit dans notre estimation, parce qu'ils sont extrêmement difficiles à anticiper. Donc la dernière, on a estimé qu'on avait eu des droits de mutation particulièrement élevés, qui n'était pas prudent de les maintenir au même niveau. Donc bon, c'est un choix. On aurait pu les réduire de 800 000, 1 million, 500 000 euros. On les a réduits de 900 000 euros. On a pris quand même quelques informations avant. Ça n'a pas été fait au doigt mouillé. On a quand même interrogé les notaires, un certain nombre de gens pour obtenir leur avis sur le sujet et on a convergé vers cette réduction qu'on assume prudente. Les dotations de l'État, les produits et recouvrements divers sont en diminution aussi, pas énormément, mais bon, c'est pareil, on a considéré qu'il était prudent d'être prudent, en particulier parce que l'inflation et la réduction de la capacité des ménages, la capacité de dépenses des ménages fait que on risque d'avoir un petit peu des dépenses, des recettes en moins sur les produits d'exploitation. Et puis, en recettes, on a aussi, on vient de le voir, puisqu'on a affecté le résultat 2022, on a un excédent de fonctionnement
reportée depuis 2022 sur 2023 de 7 millions à peu près. Donc voilà les recettes que nous avons en face qui font, Dieu merci, un total égal aux dépenses, aux prévisions de dépenses, c'est à 61 115 000 euros. Alors après un investissement, alors avant de rentrer dans les détails d'investissement, je fais quand même un rappel qui me semble absolument nécessaire pour que tout le monde comprenne et puis qu'on évite de dire des choses qui ne seraient pas conformes avec ce qu'on estime l'orthodoxie budgétaire. On a deux grandes familles d'investissements. On a d'un côté les dépenses d'équipement de services ou d'entretien de rénovation du patrimoine. C'est les deux grandes cases que vous avez, les deux cases que vous avez sur la pièce jointe, dépenses d'investissement. C'est la pièce jointe numéro 4. Donc il y a les équipements de services. Bon, voilà, les services ont besoin d'acheter des chaises, des ordinateurs, des trucs comme ça. Voilà, c'est un chapitre. Et puis l'entretien. Alors l'entretien du patrimoine, c'est non seulement les bâtiments, mais c'est la voirie, les magasins, les ateliers. Je vous signale qu'on a quand même un certain nombre de voitures qu'il faut remplacer de temps en temps, les espaces verts et l'éclairage public. Et dans l'éclairage public, on n'est pas, on le verra tout à l'heure, on n'est pas dans la rénovation de l'éclairage public. On est vraiment dans l'entretien de ce qui existe. Hein. Donc remplacer des portées de câbles, remplacer des boîtes de jonction, etc., etc. Ces dépenses, on se rend compte d'une année sur l'autre qu'elles sont relativement incompressibles et que ce sont effectivement des dépenses normales de court terme qui ont donc vocation à être financées par le court terme. L'idée, c'est que il nous semble normal que les gens qui utilisent les services et les infrastructures, c'est-à-dire qui utilisent les services, la piscine, les salles, les routes, les trottoirs, eh ben, contribuent à leurs dépenses de fonctionnement et de maintien en état. Donc pour nous, ces dépenses, alors on dit pour nous, mais il n'y a pas que nous, hein, dans tous les manuels de bonne gestion financière des finances publiques, on vous répète la même chose, hein, il suffit de les ouvrir et de les comprendre. Donc l'appel, c'est vraiment de financer les investissements court terme par des ressources court terme, et les ressources court terme, c'est l'autofinancement. On fait bien payer aux usagers, aux contribuables du jour, l'usage quotidien des installations. Et l'autre famille d'investissement, ce sont les dépenses long terme, ce sont les projets nouveaux et qui sont beaucoup plus structurants. Par exemple, quand on refait l'Angevin, on peut espérer que les travaux qu'on va faire et les dépenses qu'on va faire seront pour 15, 20 ou 30 ans. Quand on a fait ce qu'on appelle la BIPSAL, c'est-à-dire la salle de spectacle et bibliothèque, on a investi pour 20 ou 30 ans. Ce sont donc des choses qui ne doivent pas être financées par le court terme et par le long terme. C'est-à-dire qu'il est normal de faire payer sur 30 ans au Chênaie Courtois, qui vont utiliser pendant 30 ans. Donc il y a une logique aussi à ce qu'on associe la durée d'usage ou la durée de vie d'un bien à la longueur de son financement. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Le coût d'investissement est supporté par ceux qui les utiliseront pendant toute leur durée de vie. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on m'a remis un peu l'église au milieu du village et on peut passer à la suite. Donc les dépenses à court terme qu'on a entre... Alors du coup, je les ai regroupées, les dépenses, dans ce sens-là. Les dépenses d'entretien du patrimoine sont de 5 720 000 euros. Alors j'ai un peu arrondi, mais c'est ce que vous avez principalement dans le premier pavé qui s'appelle « Travaux ». Sauf que j'ai enlevé tout ce qui est CP sur AP et puis un certain nombre de choses. Mais bon, je pourrais refaire les calculs en détail avec ceux que ça intéresse. Pour le moment, je vous demande de me faire confiance. Donc, on a 5 072 d'entretien du patrimoine, dont quand même des choses qu'il est, je pense, intéressant de faire ressortir. 250 000 euros de prévision de dépenses pour aménager le parc Aubert, on en a déjà parlé. 200 000 euros de rénovation ou de remise en état de l'orgue de Saint-Antoine. Je vous rappelle que c'est un orgue qui est particulièrement intéressant sur le plan patrimonial et qui bientôt ne pourra plus servir du tout tellement il est en mauvais état. Et puis on a aussi un certain nombre de travaux que j'appelle collatéraux qui sont liés à l'Angevin, qui sont par exemple l'aménagement du réfectoire de Le Nôtre pour recevoir les petits-enfants. On a le réaménagement de la chaufferie du 50 rue de Versailles parce que la chaufferie précédente pour ce quartier de bâtiments communaux était à Langevin et que bien sûr elle va être interrompue, arrêtée. Donc ça crée quand même des dépenses qu'on peut qualifier de collatérales à Langevin. 450 000 euros quand même sur le budget 2023. Dans les dépenses court terme, nous avons aussi les équipements des services qui, cette année, se montent dans le budget à 2 230 000. Je ne sais pas s'ils nous feront tout, mais en tous les cas, ça correspond aux demandes des services, dont un peu plus de la moitié pour l'informatique et les techniques numériques.
Et puis, on a tout ce qui est l'entretien des voiries, l'enfouissement des réseaux. C'est pareil, tout le monde nous réclame de continuer à faire l'enfouissement qui avait été interrompu quelques années à la fin du mandat précédent. Nous l'avons repris, ça coûte de l'argent. L'entretien des voiries, on a fait un audit en début de mandature, on sait de quoi il retourne. On a 32% de nos voiries qui étaient dans un état absolument lamentable. Donc il faut s'y atteler, c'est ce que nous faisons. Et dans le budget 2023, ça apparaît pour 2,37 millions. Alors le sous-total de ces dépenses court terme, ça fait 10,3 millions. Et ces 10,3 millions, nous n'avons pas du tout l'intention de les financer par l'emprunt. Et donc si on ne les finance pas par l'emprunt, eh bien, une fois qu'on a effectivement fait jouer le FCTVA, etc., il faut bien le financer par de l'autofinancement. C'est pour ça qu'il nous semble impératif, par équité fiscale, d'avoir un autofinancement qui nous permette de payer ces dépenses, dont je rappelle qu'elles sont quand même très, très, très peu compressibles. On peut bien supprimer l'aménagement du parc Aubert, on peut bien supprimer et dire à monsieur le curé que son orgue, il n'a qu'à chanter a cappella, bon, très bien. Mais quand même, on n'a pas grand-chose là à comprimer. Alors les dépenses long terme, c'est le slide qui suit. Les dépenses long terme, dans cette catégorie, on a les abords du CTM pour 1,16 million qui sont des reports. On a donc le fameux SDMU. Alors ce qu'on a mis au budget, c'est la fin de la tranche 1 et le début de la tranche 2 du programme triennal en cours. Donc ça se monte à 2,50 millions euros. Et puis, on a, je vous en ai parlé tout à l'heure, la rénovation de l'éclairage public. Alors, c'est pareil. En fait, il s'agit de rénover, en s'attachant à rénover point lumineux par point lumineux. Je vous rappelle qu'on en a 2250. Donc là, on commencerait une première tranche qui correspond à peu près à 800 ou 900 points lumineux, parce que le budget TTC, c'est à peu près 1,1 million ou 1,150 million par point lumineux. Donc, on commencerait peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais par une première tranche de 900 000 euros. Et puis, il y a la fameuse réalisation du PPI pour 5,67 millions. On va parler tout à l'heure du PPI, donc je ne l'ai pas redétaillé ici. Mais on a les autorisations de programme, les crédits de paiement pour 2023 sur ce PPI, c'est 5,67 millions. Ce qui fait un sous-total de dépenses dites long terme de 9,78 millions, c'est-à-dire presque 10 millions. Donc, c'est presque équilibré avec les dépenses court terme précédentes. Et là, en revanche, on cible de les financer de préférence avec l'emprunt et les cessions d'actifs qui relèvent de la même échelle de temps. Les cessions d'actifs, c'est du patrimoine. Il y a une VNC quand on les vend. Comme le disait très justement un maire qui a précédemment officié ici, on vend du patrimoine, c'est pour acheter du patrimoine. C'est la même logique qui est reprise ici. Et on vend du patrimoine, c'est pas fait pour financer du court terme, à mon avis. Donc ensuite, on arrive au slide suivant. On a aussi des dépenses qui sont autres, qui sont ni du court terme ni du long terme. Alors en particulier, cette année, on a la prise de participation de la ville dans la société, dans la SAS de production géothermique, Géomi 3, pour 321 000 euros. On a le remboursement annuel du capital de la dette qui, cette année, fera 2,42 millions. Une subvention pour logement social sur laquelle on peut passer deux minutes. C'est ce que nous a demandé le bailleur social de la rue de la Résistance, le groupe accueil de Villogia. C'est assez classique, vous le savez tous. Et vous savez que ces subventions pour logements sociaux rentrent dans ce qui peut être ensuite déduit en N+2 dans deux ans, c'est-à-dire en 2025, qui sera déduit de la pénalité SRU de 2025. Et puis, on a un déficit d'investissement reporté de 2022, on vient de le voir, de 4 millions d'euros. Donc, le total des dépenses d'investissement, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, je rappelle, c'est le budget, 28 185 000 euros. Je dis c'est le budget parce que je pense qu'on ne dépensera pas 28 185 000 euros, mais c'est aujourd'hui ce qu'on prévoit et ce qu'il est possible qu'on soit amené à faire, sachant que tout ce qu'on pourra faire, on le fera. C'est l'objectif de l'investissement, c'est pas de faire des économies, c'est de dérouler un programme et de le réaliser. Si on n'a pas les moyens de le payer, on ne l'inscrit pas au budget. En recette d'investissement, donc on a, puisque tous les montants que je vous ai signalés là sont des montants TTC, comme sur tous les budgets, donc on a bien sûr le fonds de compensation de la TVA qui est strictement mécanique. On a les subventions, ça fait un moment qu'on vous indique qu'on a fait un gros effort sur les subventions qui commence à porter ses fruits, puisque en gros, sur l'ensemble des dépenses d'investissement subventionnables, on arrive peu ou prou à un taux maintenant moyen de subvention qui avoisine les 35%, ce qui est quand même, à mon avis, assez efficace.
On a une cession d'actifs qui est le même projet dont j'ai parlé juste avant, qui est la cession de l'ensemble d'actifs rue de la Résistance, là, ce qui tourne autour de ce que nous appelions précédemment le terrain Lebrun, puisque la promesse de vente a été signée pour 2 205 000 euros. Voilà, donc 2 200 000. On a un excédent de fonctionnement qu'on vient de reporter de 2022 en investissement 2023 pour couvrir le besoin de financement de l'investissement pour 6 400 000. Et on a l'autofinancement dont on a parlé un petit peu avant, qui vient de notre fonctionnement 2023 pour 9 600 000 et qui sera destiné principalement à financer la partie court terme des investissements 2023. Et donc, pour équilibrer le budget, cette année, nous n'avons besoin que d'un emprunt, qui est d'ailleurs un emprunt reporté, de 1 200 000. On emprunte peu, la dette donc baisse légèrement, puisque vous avez vu qu'on remboursait 2,5 millions par an. Donc, si on emprunte que 1,2 million, ça veut dire que la dette diminue d'1,3 million. Et en fait, la dette continue à baisser un peu parce que nous savons qu'en revanche, l'année prochaine et en 2024 et en 2025, nous aurons probablement à emprunter pour financer les grosses dépenses sur Langevin, sur la bibliothèque de quartier du Bourg, et etc. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Non. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de ce budget primitif 2023. Merci, Monsieur Soleil, pour ces explications claires. Je passe la parole à qui veut bien la prendre. Ne vous battez pas. Non, loin de moi cette idée. Bon, merci, Monsieur Soleil, pour cette explication qui a eu le mérite d'être extrêmement claire. Il faut quand même le dire. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, effectivement, nous saluons donc l'absence d'augmentation de la part communale sur la taxe foncière, avec notamment le maintien de l'ensemble des prestations au Chesnay-Courtois, ce qui n'était pas forcément évident dans certaines projections qu'on pouvait envisager. J'ai parlé d'un budget d'investissement qui est ambitieux, avec des choses intéressantes. Sans surprise, nous surveillerons évidemment le respect d'un certain nombre de budgets importants, notamment sur Langevin. Puisque je garde en tête tout de même, monsieur le maire, votre remarque du quoi qu'il en coûte, que je me suis permise de souligner, parce que ce n'est pas sans interroger tout de même, puisque, comme vous l'avez souligné, l'un et l'autre, on voit bien tous l'augmentation des coûts, des matériaux notamment, et le quoi qu'il en coûte est tout de même un tout petit peu gênant. Donc, Langevin, bien sûr, nous suivrons le budget. Les frais que vous appelez annexes à Langevin et que vous dites non compressibles nous inquiètent un petit peu. Donc, nous les surveillerons de près, bien évidemment. Sans surprise, de la même façon, nous suivrons l'école de musique et la bibliothèque du Bourg, même si les emprunts n'ont pas encore été mobilisés pour cette année, sachant que ces deux projets, sans surprise non plus, ne faisaient pas partie des priorités que nous aurions mis en place. Par contre, bien évidemment, je souligne l'intérêt de tout ce qui concerne l'entretien, notamment la voirie. Je pense que nous partageons l'un comme l'autre, l'intérêt sur la réfection de nos voies. Et je dirais que l'idée, c'est justement de s'assurer que cela soit bien fait, puisqu'on est trop souvent tenté de pouvoir ajuster des budgets sur ce type de choses, que ce soit la voirie, que ce soit l'éclairage public qui, effectivement, en a besoin et sera contributif à des économies futures, et bien évidemment, l'isolation des bâtiments. Concernant sinon les investissements sur le SDMU, sans surprise non plus, nous le redisons, nous n'adhérons pas à la méthodologie qui est adoptée sur le SDMU. Voilà, j'en dirai pas plus puisqu'on a débattu du sujet un certain nombre de fois ensemble. Très clairement, ce sont des choix, vos choix politiques qui ne sont pas les nôtres. Et nous suivrons évidemment attentivement ce qui va être fait sur notamment De Gaulle, puisque je crois que le retour est prévu en juin,
Alors, c'est pas tellement le en mai, c'est pas tellement en fait le verdict, hein, c'est plutôt sur les continuités de pistes cyclables qui pourraient être envisagées si cette option a été prise, notamment sur les deux ronds-points. Et évidemment, le financement de ces investissements s'ils devaient avoir lieu. Enfin, là, c'est un petit clin d'œil sur la propreté de la ville. Je m'adressais peut-être un petit peu plus personnellement à M. Ribert, puisque très régulièrement, on a fait état de un état de saleté de la ville, un ressenti de nos concitoyens, que ceci est remonté notamment au conseil de quartier, et que vous nous expliquiez souvent que ce n'était pas du tout le cas, et que l'absence de poubelles servait à éduquer nos concitoyens. Bon, force est de constater que vous investissez aujourd'hui dans la propreté urbaine. On ne peut que le saluer, bon, en regrettant tout de même que ces investissements arrivent à un moment où, je dirais, pourquoi aujourd'hui, la propreté urbaine, on pouvait reprocher beaucoup de choses à l'ancienne équipe et vous ne vous en privez pas. Il ne me semble pas qu'on ait eu beaucoup de retours sur la propreté urbaine, hormis autour du marché forain, peut-être de temps en temps. Donc, à la limite, je suis preneuse d'explications sur les investissements, tant en investissement en matériel qu'en fonctionnement sur ce sujet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Merci, Madame Bilger. Je vais donner quelques éléments de réponse par rapport à ce que j'ai pu noter. Vous évoquez le caractère ambitieux de notre programme d'investissement. Il est finalement, somme toute, relativement raisonnable parce qu'on a renoncé à un certain nombre de... Mais c'est pas forcément une critique, en l'occurrence. Non, mais pour le coup, pour moi, c'est quand même malgré tout un petit regret de ne pas pouvoir, dans cette mandature, réaliser... un certain nombre d'investissements significatifs, je pense notamment à la piscine ou au gymnase connecté, parce qu'à un moment, il y a les moyens financiers, mais au-delà des moyens financiers, il y a la capacité à piloter les investissements, donc les moyens humains qui vont avec. Alors on a été beaucoup critiqué sur les deux premières années sur l'effort de rattrapage qui a été fait en matière de ressources humaines. Je l'assume pleinement et je redis que les recrutements que nous avons faits les deux premières années visaient à... réarmer les organisations telles qu'elles étaient. Nous n'avons, à l'exception du rooftop, rien créé. Nous avons comblé des postes qui existaient depuis de longues années et qui étaient non tenus depuis de longues années. Je veux quand même le repréciser, parce que la critique est facile, mais nous avons redonné aux services les moyens de travailler. Et nous arrivons maintenant dans la période de la mandature, c'est assez classique. Les deux années qui viennent sont des années où on doit délivrer. Alors, ce n'est pas qu'on n'a rien fait les trois premières années. On a fait beaucoup de choses initiées par l'équipe précédente. C'est le lot des équipes qui arrivent, il y a une continuité, arrêter d'autres trucs, mais on a instruit soit des études, des projets qui étaient bien étudiés, je veux reparler de Curva. Curva est un projet que nous avons réalisé la première année, mais il avait été bien étudié, bien réalisé. Donc je suis capable aussi de reconnaître quand les choses sont bien étudiées, bien réalisées. On a aussi terminé des choses qui n'étaient pas du tout étudiées, je pense au CTM, on va dépenser 1 million d'euros cette année, il a fallu tout étudier, parce que ça avait été soigneusement oublié. Quand on livre un CTM, on n'oublie pas le parking, on n'oublie pas l'assainissement. Donc je redis simplement que quand on fait des inaugurations, il ne faut pas inaugurer la moitié d'un équipement. Et donc ça a été beaucoup de travail pour terminer. L'équipement culturel de la ZAC du Bourg, parce qu'un certain nombre d'anciens élus de la ville de Reconcours sont venus s'étonner qu'on fasse ce choix. Je rappelle que nous sommes sur la ZAC du Bourg, juste en train de terminer une opération qui a été initiée en 2009. Que quand je suis arrivé, j'avais juste l'acte de divorce avec Citalio sur le bureau. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans mon bureau, mais ce dossier-là était sur la pile. Donc nous avons fait le nécessaire pour reprendre et terminer une opération d'aménagement dont nous considérons qu'elle est plutôt pas mal. Là aussi, on est capable de critiquer ce qui a été fait avant, mais on est aussi capable d'objectiver ce qui est bien. Sauf que c'est du boulot. Quand vous avez juste un acte de divorce sur la table, réaliser aujourd'hui l'équipement culturel à la ZAC du Bourg, terminer le lot activité, ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Mais c'est clair qu'à un moment, quand vous êtes élu, vous avez envie de mettre en œuvre votre programme. Et dans ce que nous avions annoncé, la rénovation de la piscine faisait partie des sujets que j'estimais importants. Et c'est avec un peu de regret que je le décale, parce qu'à un moment, il faudra quand même la rénover, cette piscine. Tout ça pour dire qu'à un moment, sur les choix d'investissement que nous les faisons parce que nous avons redonné aux équipes les moyens de les réaliser dans les délais. Je vais revenir d'un mot là-dessus, puisque vous soulignez le fait que vous serez attentive à la bonne utilisation des données publiques sur de grosses opérations d'investissement. Évidemment, nous le serons avec vous, mais nous serons particulièrement attentifs au délai. Et je le dis en présence de la haute administration de cette ville, ils savent l'amicale pression, et qui sera peut-être moins amicale dans quelques mois, sur le fait qu'à un moment, une fois qu'on a fait les efforts, et je suis conscient des efforts qu'on a demandé à nos administrés pour délivrer des équipements de qualité, il faut qu'on les délivre à l'heure.
Voilà. Et particulièrement, pour en revenir sur le quoi qu'il en coûte, c'est pas pour le plaisir de la formule, c'est qu'à un moment, symboliquement, rendre, livrer une école à date pour une rentrée scolaire, c'est éminemment important. On en a parlé aux parents d'élèves, etc. Et donc, on va effectivement se donner les moyens, en tout cas, de ne pas prendre de risques financiers pour un moment retarder un équipement. Il y a des investissements sur lesquels, si on livre avec 2-3 mois de retard, c'est pas dramatique. Pas être au rendez-vous la rentrée 2025, ce serait extrêmement dommageable. Et donc, on va effectivement, sans jeter l'argent par les fenêtres, faire en sorte qu'on soit au rendez-vous et donc se donner les moyens de lever tous les obstacles techniques pour permettre à cet équipement d'être livré à l'heure. Ce qui n'a pas toujours été la tradition dans cette maison. Voilà, sur le SDMU, sans réouvrir le débat, moi là aussi on arrive maintenant dans une phase où nous produisons. On peut critiquer la méthode, etc. Moi je veux simplement dire que tout le travail qui a été fait la première année, travail technique un peu aride, il est utile aujourd'hui. Parce qu'à un moment, quand il faut délivrer, je peux vous assurer, et je vous invite à relire les documents, pas toujours très agréables à lire, il y a eu un travail de fond fait par notre prestataire EGIS au moment de la première phase du SDMU, travail technique, mais qui est nécessaire et qui est utile aujourd'hui pour permettre de délivrer ce que nous allons délivrer. Je redis aussi que les choix qui ont été faits, peu coûteux, mais qui vont nous permettre aujourd'hui de tracer au sol un certain nombre de choses, de la mise en zone 30 du pavillonnaire, commencent à produire leurs effets. Parce que les administrés nous disent que finalement, pour ceux qui veulent bien respecter les limitations de vitesse, il y en a quelques-uns dans cette ville, que finalement c'est pas mal, une circulation apaisée dans le pavillonnaire. Ça va nous permettre, et nous commençons à avoir des retours, alors je donne à titre d'exemple, parce qu'il faut être très attentif, un administré me disait dans une des rues du plateau, votre aménagement, quoique contre-intuitif, est finalement pas mal. Donc là on est au taquet du remerciement, mais il y a quand même des gens qui prennent le temps de taper sur leur clavier ces mots-là. C'est pour toutes les critiques véhéments qu'on a reçues, notamment sur Charles de Gaulle. Voilà. Je pense que ce qui a été fait est d'abord le fruit d'un travail préparatoire lourd et ingrat, et que dans quelques années, collectivement, on pourra se dire qu'on aura été dans le bon sens, et sans empêcher les voitures de circuler, on arrivera à faire cohabiter piétons, deux roues et véhicules motorisés dans nos voiries. Et ce sera une vraie satisfaction, et j'espère qu'on pourra la partager ensemble. Sur Charles de Gaulle, comme je m'y étais engagé, on fera évidemment un retour. Comme je le redis pour les gens qui nous écoutent, la primeur en sera faite aux élus. Alors on donnera en primeur à l'une des commissions la nature des retours pour pouvoir ensuite les partager à la fois avec les riverains, notamment les copropriétés de Paris 2, et l'ensemble des conseils de quartier. Donc tout ça sera fait lors de la dernière semaine de mai, mais dans cet ordre-là, les élus et les parties prenantes extérieures. Et pour répondre à la question et la suite, nous finalisons des scénarios, ils seront prêts je pense d'ici fin juin, donc on en évoquera les grands axes lors de ces réunions de restitution. Ensuite on remettra ces scénarios en itération avec les parties prenantes, et puis à la rentrée au mois de septembre-octobre nous arrêterons définitivement les options techniques, et il y en a plusieurs pour les aménagements que nous pourrons réaliser sur cette avenue en 2024. Ce qui fait qu'on se laisse le temps de rediscuter avec l'ensemble des acteurs. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous faire, Madame Bilger, en retour à vos propos, mais je vous remercie de votre intervention. Madame Alquet. Alors, écoutez, nous, on entend bien ce que vous venez de dire. Il y a certaines choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Par contre, nous ne pouvons pas être d'accord avec votre budget, car cette année encore, vous chargez la mule. En fonctionnement, vous augmentez encore les coûts de gestion des services, 3,7 millions. En plus de l'augmentation des coûts des fuites, qui est déjà bien identifié, qui fait 2 millions, vous rajoutez encore 1,7 million. C'est pratiquement 25% du budget. C'est dedans. Hein. Dans les 3,7, oui, c'est dedans. Si vous enlevez les 2 millions... L'augmentation des autres postes montre encore 25%. L'année dernière, c'était déjà 30%. Donc, heureusement et évidemment, ils n'ont pas eu lieu. C'est bien la raison pour laquelle nous avons un gain sur l'année 2022. Alors, à coup de 25% ou de 30% chaque année, où va-t-on, hein ? Idem pour les investissements. Vous portez le budget des travaux et équipements à plus de 20 millions contre 6,9 réalisés en 2022. C'est 3 fois la capacité réelle de la ville. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'effectivement, il y avait une capacité maximale, en fait, physique, quelque part, et de ressources.
Et vous persistez visiblement sur votre projet de mobilité urbaine, mais nous gardons encore un peu d'espoir pour que la raison soit revenue, qui est quand même rejetée par la population, car inadéquate aux besoins et à la sécurité des habitants, notamment sur l'avenue Charles de Gaulle. Donc, nous vous donnons le bénéfice du doute. Nous allons voir ce qu'il en sort. Et pour faire cela, eh bien, vous prélevez sur le fonctionnement 9,6 millions d'euros pour équilibrer le budget d'investissement, évidemment. C'est 20% des dépenses réelles de gestion. C'est quand même énorme. Et largement, c'est 3 à 4 fois ce qu'on faisait d'habitude. Alors, vous me direz qu'on ne faisait pas assez, sans doute, peut-être. Mais entre ça et multiplier... Vous demandez mes répliques, je suis fichu. Multiplier par 3 nous paraît franchement déraisonnable. En fait, vous chargez la mule pour justifier l'augmentation d'impôts que vous avez infligé aux habitants l'année dernière, à un moment où tout le monde doit serrer la ceinture quand même, et nous considérons que c'est encore déraisonnable, ambitieux mais déraisonnable. Et donc nous voterons contre ce budget. Et par ailleurs, je vous le dis maintenant, nous proposons même une baisse du taux de la taxe foncière, évidemment pas de 30%, c'est ridicule comme idée, monsieur le maire, excusez-moi, je sais que je n'ai pas de cerveau, mais il ne faut pas exagérer, de 7% pour rendre du pouvoir d'achat aux chaînes courtoises dans cette période difficile et compenser l'impact de l'augmentation des valeurs locatives qui est effectivement décidée par l'Assemblée nationale et qui est basée en fait sur l'inflation. Donc c'est quelque chose de classique et qui arrive tous les ans. Donc nous ne sommes pas d'accord avec votre budget. Nous serons aussi très attentifs sur l'école Langevin. D'ailleurs, je pense que l'idée de fermer les deux écoles qui reçoivent les élèves de Langevin est franchement une très mauvaise idée, car on sait très bien que quand on développe un tel projet, qu'au départ coûtait 10 millions, après il est passé à 12, maintenant on est à 14, on a toujours beaucoup d'impondérables, des aléas, et qu'on ne maîtrise pas tout. Donc c'est un vrai enjeu et c'est un vrai challenge, là on est bien d'accord, et je pense qu'on a pris des risques là de ce côté-là, donc ce sera très important. Et nous, c'est toujours les mêmes deux points qui sont bloquants pour nous. C'est vraiment la fermeture des écoles et s'en tenir à des investissements qui sont évidemment engagés comme l'école Jean-Angevin. Sur la ZAC du Bourg, à l'époque, je me souviens, monsieur Pemery, que le projet était de l'ordre de 600 à 700 000 euros pour faire une simple salle polyvalente, une maison de quartier. Vous l'avez transformée en bibliothèque annexe un peu redondante pour nous et sans obtenir d'ailleurs toutes les subventions auxquelles vous pensiez. Et on est maintenant rendu à 2 millions. Donc voilà, donc on part de 20 millions aujourd'hui sans tenir compte des risques avec l'augmentation des matériaux, comme vous l'avez dit, et les aléas de chantier. Donc nous considérons que ce budget est trop important et qu'il fait donc appel, effectivement, aux impôts auprès des chaînes courtoises. Et nous considérons également qu'il faut effectivement faire jouer et la cession d'actifs et la dette et de nouveaux emprunts pour financer du long terme, puisqu'une école, c'est bien pour 20-30 ans. Donc il faut effectivement aussi faire actionner ces moyens, ces leviers de financement. Donc nous ne sommes pas d'accord pour continuer sur cette lancée avec des augmentations de 30% par an. Merci Madame Alquier. Je donne pendant 10 secondes la parole à Monsieur Soleil. Je mets le chrono. 10 secondes est gentil. Je mets un peu en doute le bien fondé de vos conclusions, Madame Alquier, parce que les chiffres que vous utilisez ne sont pas bons. Vous dites qu'on a fait exploser les dépenses de fonctionnement des services. Alors, en dehors du fait que ce n'est pas explosé, puisque j'ai justifié et expliqué pourquoi. En dehors des énergies, il y a 1,7 million d'augmentation sur 10 millions, ce qui fait 17% et pas 25 ou 30. Et par ailleurs, sur ces 17%, 1,7 million sur 10, ça fait 17%. C'est ce que j'appelle des chiffres objectifs. Et puis par ailleurs, sur ces 17%, il y a 7% d'inflation. Donc on arrive à effectivement 10% d'augmentation qui ne sont ni l'énergie ni l'inflation, mais qu'on a justifié ou expliqué tout du moins par un certain nombre de dépenses qu'on a à supporter par rapport aux années précédentes, des dépenses qui sont de nature exceptionnelle, Langevin, etc., etc. Bien, quelques éléments de réponse, Madame Alquier. Merci pour vos retours, que je trouve plus posés que l'an dernier, je vous le dis.
Sur le coût des services, je n'ai pas bien compris où étaient les 30 et les 25%, mais je ne vais pas polémiquer. Moi, je veux juste dire que le travail qui a été fait, le travail de préparation budgétaire qui est fait depuis maintenant deux exercices par les services est extrêmement rigoureux. Et malgré la rigueur qu'ils s'impliquent eux-mêmes, on repasse un coup de rabot avant de venir agglomérer les chiffres et préparer le budget. Donc je ne crois pas qu'on ait affaire à des chefs de service dispendieux. Moi, je suis assez admiratif de la capacité. Je le dis à titre d'exemple, le budget de la police municipale a été divisé par 10 en 10 ans. Avec des effectifs, le budget de fonctionnement, hein, je ne parle pas des effectifs. Voilà. Donc, alors soit ils vivaient de manière extrêmement large il y a 10 ans, mais voilà. Soit ils ont intégré et ils font chaque année des efforts. Mais voilà, 32 000 euros de budget de fonctionnement pour une police municipale, on commence à être dans le chiche. Voyez. Donc je dis ça à titre d'exemple, pour dire qu'à un moment, on a des gens qui sont parfaitement conscients que l'ensemble de l'argent qu'ils dépensent, c'est de l'argent public, c'est de l'impôt, intégralement, qu'il soit prélevé au niveau de l'État ou localement, c'est de l'impôt. Et je crois que l'équipe municipale qui est en place en est parfaitement consciente. Donc, la seule solution pour baisser significativement les coûts de fonctionnement, c'est de réduire la voilure. Voilà, c'est dire à un moment, demain, on ferme une crèche, on arrête la restauration scolaire. Si on veut significativement, je le redis, Madame Alquet, baisser. Sinon, alors, l'autre moyen, ça a été malheureusement trop longtemps la règle, c'est que quand on a des départs, des démissions, etc., et on en a tout au long de l'année, ben, on ne remplace pas. On fait tourner, on se débrouille, etc. Mais moi, je considère qu'on abîme le personnel municipal. Et je suis, moi, plutôt fier aujourd'hui de constater que la presque totalité de nos postes, puisque nous allons accueillir dans quelques jours, à moins qu'il ne soit déjà arrivé le directeur de la bibliothèque, mais l'intégralité de nos postes sont couverts, alors que nous connaissons l'extrême tension de la couverture des postes dans des collectivités de taille équivalente sur notre département. Ça veut dire que nous sommes attractifs, ça veut dire que voilà, nous traitons bien nos personnels dans le respect de la réglementation et de la rémunération qu'on peut offrir aux agents de la territoriale. Et vous savez que la grille n'est pas extrêmement souple. Donc voilà, moi je veux bien toutes les critiques sur les coûts des services, mais la démographie est telle qu'on pourrait dire on ne remplace pas nos départs en retraite, mais la belle affaire, quand on a 10 départs en retraite par an, c'est pas avec ça qu'on va se faire le budget. Et sinon, il faut que vous m'expliquiez, Madame Alquet, comment on fait quand, voilà, quand on a 8 crèches et qu'on est en plus à beaucoup, beaucoup d'endroits tenus par des cadres réglementaires. À l'EHPAD, le cadre d'organisation, il est fixé. Dans les crèches, il est fixé. Il y a quand même peu d'endroits où on a des marges de manœuvre pour s'organiser. Et je redis, moi, j'ai fait le choix de redonner un peu de capacité de travail dans des services qui, demain, doivent piloter les investissements. Je pense notamment aux services techniques, qui étaient quand même très abîmés quand on est arrivé. Et donc à qui on a redonné des moyens et pas des moyens pléthoriques. Hein, je redis, on n'a pas embauché 10 ingénieurs pour préparer les investissements des années qui viennent. On aurait de quoi les occuper, hein, mais j'ai malheureusement pas les moyens de les payer. On reste quand même relativement raisonnable là-dessus. Donc voilà, je suis un peu surpris de cette critique un peu systématique sur les coûts des services. Je ne vois aucun indice, exception faite, je le redis et je l'assume pleinement, du fait qu'on ait redonné des moyens humains sur des organisations qui existantes, hein, existantes, je n'invente rien, et encore, je ne vais pas remonter dans les vieux grimoires, mais aller discuter avec les gens de la voirie, il y a 15 ans de ça, il y avait 3 fois plus de monde à la voirie, alors que le linéaire de voirie, il n'avait pas changé. Hein. Il y avait 2 ingénieurs et 4 techniciens à la grande époque de la voirie. Voilà, c'est la réalité. Donc je ne pense pas qu'on ait dépensé de manière inconsidérée pour redonner juste aujourd'hui aux agents du service public les moyens de délivrer un service public de qualité. Sur le reste, je reviens pas et donc je partage l'attention que vous porterez au projet d'investissement. Je laisserai M. Ribert vous redire 2 mots de la bibliothèque annexe du bourg pour rétablir quelques chiffres. Je reviens juste d'un mot sur Charles de Gaulle parce qu'à chaque fois vous évoquez les sujets de sécurité. Vous avez remarqué que nous avons mis des petites bornes blanches pendant le test. Il ne vous a pas échappé qu'aucune de ces bornes n'a été abîmée pendant tout le test. Ça témoigne qu'il n'y a eu aucune, je vous le redis. Aucune, ça veut dire d'abord que les chaînes de courtois sont plutôt civilisées et qu'il n'y a eu aucune situation d'urgence, aucune ambulance de bloquée, rien qui justifiait toutes les... Non, aucune. Madame Alquet, aucune qui ne justifie que les ambulances cassent les bornes parce qu'elles connaissent parfaitement la règle du jeu. Donc il n'y a pas eu de situation d'urgence. C'est factuel. Le seul accident qu'il y a eu, Madame Alquet, malheureusement, je le regrette profondément, il a eu lieu le vendredi, fin de test, juste après le démontage des bornes, quand on a redonné la possibilité aux gens de rouler vite avenue Charles de Gaulle, parce que c'est ça la réalité. C'est triste à dire, je le regrette profondément, parce que la personne elle a eu un traumatisme crânien, et il n'y a aucune matière à s'en réjouir. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, et tous ceux qui fréquentent cette avenue, moi le premier, on peut constater qu'on roule évidemment plus vite quand il y a 2 fois 2 voies que 2 fois 1 voie.
Voilà, c'est factuel, c'est mécanique, vous pouvez le contester, mais franchement, on fait un micro-trottoir ensemble et on va vérifier. Donc je repartagerai tous ces éléments à la fin du mois de mai avec vous en commission, puis avec les parties prenantes. Mais voilà, je trouve que ces critiques sur la sécurité sur les Charles de Gaulle sont un peu gratuites pour tout vous dire. Si je peux répondre, sur l'avenue Charles de Gaulle, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qu'il faut corriger, ce sont les ronds-points. C'est là que le problème se pose. Ça n'est pas au milieu de la voie où il y a personne ne traverse. Donc c'est là qu'il faut traiter les Madame sujets. Les ronds-points. Madame Malquet, si vous roulez à 30 à l'heure, le rond-point ne pose aucun problème. Si vous arrivez sur le rond-point à 70 km/h, forcément le rond-point pose un problème. Vous ne pouvez pas arriver beaucoup plus vite sur le rond-point qui est déjà en... Non, c'est ça qu'il faut revoir. Le rond-point est dangereux et c'est ça qu'il faut travailler. Nous, c'est là-dessus qu'on s'accroche. On en reparlera dans les instances qui vont bien. Madame Le Méné. Oui, je voulais juste poser une question sur la piscine, parce que je me souviens, lors des premiers conseils municipaux, vous aviez effectivement axé vos propos, ou du moins Monsieur Soleil, sur le fait que cette piscine était totalement obsolète, qu'elle avait été laissée dans un état lamentable et que c'était dangereux pour les personnes. Enfin, il y avait quand même un espèce de catastrophisme qui faisait qu'on était quand même obligé d'adhérer au fait que cette piscine devait être refaite rapidement. Voilà. Donc je suis un peu étonnée aujourd'hui que vous nous dites que de toute façon, durant cette mandature, la piscine ne sera pas refaite. Mais c'est juste un décalage sur vos propos que je ne comprends pas. Alors, je vais donner la parole à M. Soleil qui va essayer de vous éclairer. Il devrait y arriver. Madame Le Méné, je crois que le décalage, il n'est pas forcément dans mes propos, mais dans ce que vous avez capté de mes propos. Je vais donc reprendre ce que j'ai toujours expliqué. Quand on a... J'ai pas de cerveau, c'est ça ? J'ai pas dit ça, Madame Le Méné, mais ne me forcez pas à le dire parce que ça serait désagréable. Ce qu'on a toujours dit, je me suis fait le porte-parole de ce projet, mais je n'étais pas le seul. Ce qu'on a toujours dit, c'est la chose suivante. Cet établissement a été construit en... Vous vous souvenez quand, Madame Le Méné ? En 1975. Et puis, il y a eu un premier grand carénage en 1995, 20 ans après. Et puis, il y a eu des désordres qui sont liés à la construction, qui ont été constatés début 2000. On a touché une prime de l'assurance pour réparer. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette prime ? Rien. En tous les cas, pas les réparations. Donc depuis 1995, on est sur la même situation et bien évidemment, cet outil s'abîme. Et en particulier, il y a un certain nombre de choses qui avaient été constatées au début des années 2000 qui sont liées à la toiture, qui font que entre les problèmes de condensation qui viennent de l'intérieur et les problèmes de fuite qui viennent de l'extérieur, c'est pas étanche, ça abîme tout, etc. Donc fort de ce constat, nous avons en début de mandature fait faire un certain nombre d'audits. Qui ont conclu qu'il était effectivement, ça c'est bien des termes que j'employais, qu'il était urgent de refaire la toiture. Non mais j'ai simplement dit urgent, j'ai pas dit tout ce que vous avez dit avant qui effectivement était digne de... Oui, mais c'est pas les mots que vous avez employés tout à l'heure. Mais vous avez compris qu'il y avait une urgence, mais pas une catastrophe du style les mille et une nuits dont vous parliez tout à l'heure là. Donc en fait le problème qui s'est produit... Attendez, écoutez-moi s'il vous plaît pour tout avoir, parce que sinon on recommencera dans 6 mois. En fait, pour réparer la toiture, il faut fermer la piscine pendant une durée, un an ou un an et demi. Et donc, si on ferme la piscine pendant un an et demi, on en profite pour faire tout ce qu'il y a à faire, y compris ce qui est moins urgent. Et donc, dans ces cas-là, on arrive avec le traitement d'air, le traitement de l'eau, l'étanchéité des bassins qui laisse un peu à désirer depuis le début, etc. On arrivait à un budget qui était variable en fonction de ce qu'on faisait, mais qui était compris entre 7 et 9 millions. Et nous n'avons pas les moyens de financer ces 7 ou 9 millions dans la mandature. Donc ce que nous avons décidé, et je crois que ça a été dit en réunion et en réunion publique, enfin en conseil, je veux dire, ou en conseil privé, ce que nous avons dit, c'est que nous renoncions à cette dépense et que nous substituons à ce grand carénage indispensable, qu'il reste d'ailleurs, une politique de maintenance préventive extrêmement attentive pour pouvoir éviter les problèmes pour les usagers de la piscine. Alors ça n'évite pas les dépenses d'énergie excessives, ça n'évite pas un certain nombre de problèmes puisqu'on ne fait pas les travaux, mais au moins on évite les accidents et on continue à exploiter la piscine jusqu'au moment où nous aurons, nous ou d'autres, les capacités financières de faire les travaux comme ils devraient être faits, c'est-à-dire en grand. Voilà. Est-ce que j'ai été clair cette fois-ci ? Je crois pas, Madame Le Méné, je crois pas.
Non, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas de façon négative parce que je pense que ça n'a pas évolué. Voilà. Parfait. Je vais passer la parole à Monsieur Ribert pour répondre à Madame Alquier sur la Sac du Bourg et l'espace culturel. Oui. Alors, déjà, il ne faudrait pas mélanger des montants hors taxes et TTC. Donc 2 millions, c'est TTC. Donc on est plutôt à 1,6 million, 1,7 million à peu près. Et puis 600 000, c'était hors taxe. Et puis 600 000, ça n'a jamais existé, puisque à la fin, quand nous, on arrive, les travaux sont à 800 000 euros à peu près hors taxe sur les dernières estimations, sans mobilier, sans rien. Et avec deux subventions, un fonds de concours de VGP, 300 000 euros, et un fonds de, pardon, un fonds de concours de VGP de 60 000 euros environ, et puis un fonds de travaux de, comment ça s'appelle, Citalios, de 300 000 euros. Donc il y avait un net, grosso modo, hors mobilier, d'environ 500 000 euros, sur un projet qui était construit avant la fusion. Donc effectivement, on a essayé de lui trouver une cohérence, parce qu'une salle de quartier pour environ 400 logements à l'échelle du Chesnerault-Cancourt paraissait moins opportune. Donc on est parti sur une salle polyvalente, culturelle, bibliothèque, parce que les Rocancourtois historiques allaient moins à la bibliothèque principale. Et puis la ludothèque était très peu utilisée par les personnes, en particulier de l'Ouest, parce que le site de l'enfance est un petit peu excentré en termes d'utilisation. L'ambition est effectivement d'avoir un projet qui, finalement, net, soit un peu moins cher que l'original. Avec l'augmentation des travaux, il sera un peu plus cher. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un net à payer pour la ville, en prenant le FCTVA, les différentes subventions, aux alentours des 550 000, on sera aux alentours des 700 000 euros. Sur un projet plus ambitieux, dont on aura des coûts de fonctionnement qui seront sensiblement inférieurs, puisqu'on sera sur des normes aussi environnementales plus importantes, donc qualité de chauffe qui sera meilleure. Voilà, donc 150 000 euros sur un projet, effectivement, comme vous le dites, hein, beaucoup plus important, semble quand même, à l'échelle du projet, raisonnable. Merci, Monsieur Ribert. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Pour vous répondre, Monsieur le Maire, je n'ai pas du tout mis en cause la masse salariale. Vous avez longuement développé ce... Nous en avions déjà parlé précédemment. Et nous nous réjouissons si les équipes se sentent mieux, puisque vous pensez que c'est ça. Moi, je pense qu'il y avait une bonne organisation précédemment et que ça marchait plutôt bien. Et notamment, la propreté urbaine. La propreté urbaine est un bon exemple. On a compris que vous envisagiez d'ailleurs de faire appel maintenant à des prestataires extérieurs. Si, effectivement, si on fait ça pour la plupart des postes, on ne va pas s'en sortir. Donc je pense qu'il y a quand même une question d'organisation. Et je reviens sur le fait que le coût de gestion des services est de 9,4 millions en 2019, 8,3 millions en 2020. Là, c'était la période Covid, je vous l'accorde. De nouveau 9,4 millions en 2022. Et on ne voit pas pourquoi. On serait à 13,2 millions pratiquement en 2023, je suis désolée, mais ça ne marche pas. J'ai tenté de vous l'expliquer, mais je vois que c'est désespéré. Non, mais parce que vous jouez avec les chiffres, et c'est juste factuel, hein. C'est dans vos chiffres, ce sont vos chiffres. Hein. Bien, comme je pense qu'on ne peut pas arriver à aligner les planètes sur les chiffres, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vais proposer de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ce budget primitif 2023 ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez un pouvoir... Non. Pas de pouvoir. Donc, vote contre ou abstention ? Vote contre. Et le pouvoir ? Donc, on doit avoir 8 votes contre. Est-ce que vous avez besoin des noms, Karima, ou pas ? C'est bon. Y a-t-il des abstentions ? Et pour le reste, la majorité, merci pour l'adoption de ce budget qui va permettre aux équipes de travailler. Monsieur Soleil, une délibération sur la subvention d'équilibre au Centre communal d'action sociale pour l'exercice 2023. Alors, le CCAS, à l'occasion de son dernier conseil d'administration, a établi son budget qui se monte à 2 659 000 en section de fonctionnement, 571 789 en section d'investissement, moyennant une subvention d'équilibre communal anticipée de 915 000 euros, tout en notant que l'année dernière était de 952 000, ce qui correspond à une baisse de 37 000 euros. Donc, je laisserai peut-être à Madame Testu le soin d'expliquer un petit peu pourquoi cette subvention baisse. Et après, nous aurons à voter le montant de cette subvention versée par la ville au CCAS. Bien, avant de passer la parole à Madame Testu, nous avons souhaité éclairer cette délibération qui laisserait à penser qu'en donnant un peu moins d'argent,
cette année que l'an passé, la situation globale du CCAS s'améliorait. Elle s'améliore globalement, mais on a un point d'alerte que je souhaite partager avec vous en conseil, qui concerne la gestion de notre EHPAD. Et au-delà de notre EHPAD, des EHPAD publics, hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, la situation financière fait qu'aujourd'hui, 85% des EHPAD publics présentent des budgets en déficit, contre 45% il y a un an. Donc il y a un effet structurel sur l'ensemble des EHPAD publics qui nous interroge. Après, on n'est pas en charge de la gestion de l'ensemble des EHPAD publics, mais d'une autre. Et pour juste partager quelques chiffres avec vous, si ma tablette, le déficit que nous allons afficher sur l'EHPAD en 2022 est de 633 000 euros, ce qui est colossal. Voilà, donc il va nous amener à nous réunir avec les administrateurs du CCAS dans le mois qui vient pour partager les mesures qui nous permettront, je l'espère, de retrouver aussi vite que possible un équilibre. Donc je ne dévoile pas les pistes, mais vous n'avez pas forcément besoin de moi pour les imaginer. Mais le déficit de l'EHPAD est alarmant, je le dis. Lié évidemment pour une bonne partie à des augmentations de rémunération, dont les personnels avaient légitimement, auxquels les personnels avaient légitimement droit, mais enfin ça fait 233 000 euros, un taux d'occupation qui n'a jamais retrouvé le 100% et dont on a besoin pour tenir un équilibre d'un budget d'un EHPAD, lié au fait que pendant presque un an et demi, nous n'avons pas eu le droit, pour des raisons de sécurité incendie, de faire rentrer des personnels. Et après, quand vous avez les portes qui se réouvrent, on ne rentre pas dans un EHPAD comme dans un hôtel. Les conditions d'accueil de nos grands seniors font que le protocole est long et donc le taux de remplissage n'a pas retrouvé le quasi 100% qu'on connaissait avant. Et donc c'est aussi un des éléments qui explique que l'équilibre de l'EHPAD est loin d'être assuré. Donc je voulais le dire parce que la délibération pourrait laisser à penser qu'il n'y a pas d'alerte particulière. Or, il y a une vraie alerte et donc on va travailler là-dessus. Et à l'issue des travaux que le CA du CCAS fera, je reviendrai vers vous avec Anne au mois de juin pour repartager les mesures que nous prendrons pour retrouver, parce que c'est une nécessité absolue, hein, les règles budgétaires font que, et je vais laisser Anne dire un mot du reste du périmètre du CCAS, on ne peut pas aller prendre dans un budget excédentaire pour compenser un budget déficitaire. Le budget de l'EHPAD, c'est un budget propre, et nous avons donc nous sommes en responsabilité pour permettre à cet EHPAD de retrouver l'indispensable équilibre budgétaire sans lequel on ne pourrait pas se projeter très très longtemps dans le futur. Madame Testu, si vous voulez compléter ces propos. Oui, merci monsieur le maire. Alors juste ce qu'on peut rajouter sur l'EHPAD, c'est qu'en 2022, il y a 85% des EHPAD publics qui ont fini l'année en déficit contre 45% seulement en 2019. Donc voilà, notre EHPAD se porte pas très bien, mais c'est pas le seul et malheureusement. Sur le reste du CCAS, ben, effectivement, la subvention d'équilibre, elle porte sur le budget principal du CCAS, puisque l'EHPAD et le FJT sont des budgets annexes, donc ils sont bien cloisonnés. Et le budget principal les comptes principaux du CCAS, ils ont fini l'année avec un. Je perds mes mots. Enfin, en positif, hein, plus 33 000 euros en résultat de fonctionnement. Et le FJT, lui aussi, se porte plutôt bien, puisque. Il a eu un budget qui a été créé sur le fait qu'on puisse continuer à vivre, même si on touchait plus les subventions du département, de la CAF, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc tout va bien de ce côté-là. Merci beaucoup, Madame Testu. Si pas de souhait d'intervention, je vais proposer donc de passer au vote pour voter cette subvention d'équilibre pour notre centre communal d'action sociale. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Merci pour les équipes du CCAS. Alors, délibération très attendue. Monsieur Audic de Carnet, vous avez la parole pour la
traditionnelle délibération sur les subventions aux associations. Je compte sur vous pour l'art de la synthèse. Merci, monsieur le maire. Bon, on va essayer. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier pour le travail effectué les personnels de la mairie et aussi, évidemment, les élus qui ont participé avec nous aux différentes réunions pour finaliser ce budget et que la délibération que l'on va vous présenter. Liée à cette délibération, vous avez deux tableaux. Le tableau qui est lié à l'année donc 2023 et une deuxième annexe avec les autres tableaux avec les années antérieures pour pouvoir comparer et voir, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Louis-Marie Soleil, une certaine stabilité que nous avons retrouvée. Voilà, donc vous pouvez regarder donc les montants attribués, figurent donc dans ces listes. Cette proposition a procédé à l'examen des éléments motivant la demande formulée et l'adéquation d'action de la structure en direction des Chênaie-Courtois, et évidemment, bien entendu, de la pertinence des projets envisagés pour chaque association pour l'année 2023. Évaluer la cohérence d'un montant demandé au regard de la situation financière propre de l'association, de son évolution après les trois années de crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid que l'on a connue et qui a pu bouleverser certains équilibres budgétaires par rapport à celle-ci. Rencontrer aussi certains présidents de l'association et leurs équipes pour apprécier les problématiques spécifiques, pour nous éclairer aussi sur certains dossiers lorsque cela s'avérait nécessaire. Mettre en cohérence tout ça pour que les propositions d'un montant qui est proposé d'allouer aujourd'hui par secteur d'activité au regard des contraintes budgétaires générales. Comme évoqué, en 2020 comme en 2021, on a vu les conséquences financières de la crise sanitaire et l'enveloppe budgétaire affectée aux associations, au fonctionnement accordé aux associations est restée constante. En 2022, cette enveloppe s'est contractée dans la mesure où l'analyse des dossiers des associations à caractère sportif avait fait ressortir un besoin d'équilibre des comptes moins important que les années précédentes. Pour les autres secteurs, l'enveloppe a progressé très légèrement et plus significativement pour le secteur culturel. En 2023, l'enveloppe budgétaire globale qu'il est proposé d'affecter aux associations pour l'exercice en cours s'élève à 1 074 850 €. Et si nous en rajoutons la subvention exceptionnelle que nous avons donnée à l'ACTED, qui vient en aide aux populations sinistrées de Turquie et de la Syrie, nous arriverons au montant que M. Soleil a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire 1 084 850 €. Il est donc proposé à l'Assemblée, évidemment, d'attribuer ces subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice 2023. Il a été aussi décidé que des subventions aux associations au titre de l'exercice 2023 ne seront pas attribuées pour des raisons soit de respect de l'engagement de la date finale auquel on avait convenu à toutes les associations, mais aussi du formalisme attendu du dossier et aussi des dossiers qui nous ont été remis, pour certains incomplets. Je vais citer l'Udium 78, l'Ordre de Malte, l'École de danse du Chênaie-Rocancourt, l'Orchestre du Grand Parc, l'Association pour la promotion de la culture de l'Ouest parisien, l'Association SES Animaux 78, le Shurinji Kempo, le Tennis Club Le Chênaie Trianon, le Karaté du Chênaie, le Sub Trialon, l'Association Marche et Rêve. Voilà, et autre chose qu'il faut ajouter, c'est ne participeront pas au vote les membres du Conseil intéressés dans les associations suivantes. Madame Testu pour la subvention accordée au comité local pour le logement autonome des jeunes de Versailles, le CLLAJ. Monsieur Dick Tecternen pour la subvention accordée à la Société des membres de la Légion d'honneur. Madame Parmentier pour la subvention accordée aux Amis du Chaudron. Madame Parmentier aussi pour l'Association autonome des parents d'élèves des établissements publics, l'UNAP. Madame Parmentier encore pour l'Association sportive du Collège Charles Péguy. Monsieur Vanger, Madame Parmentier, Madame Testu, moi-même,
pour les subventions de l'amicale des employés de la ville, ainsi que M. Jarige. Et en dernier, Mme Timiadédès, seulement pour la subvention de l'association des Blouses Roses. Voilà, M. le maire, vous avez toutes les données. Je vous laisse la parole. Vous êtes bien aimable. Alors, on va terminer le recensement. Est-ce qu'il y a parmi les élus d'opposition, il doit y en avoir quelques-uns, des élus pour lesquels vous seriez partie prenante dans une des associations qui bénéficient de subventions ? Auquel cas, je propose de rajouter vos noms et nous acterons que pour les dites associations, vous ne prenez pas part, enfin vous ne votez pas. Madame Bilger. Donc pour le CLAGE, donc CLL agit comme Madame Testu. Absolument. Merci. Madame Alquies, que chez vous, il y a des... Il suffit d'être adhérent à une association, non, c'est ça l'idée ? Non, membre du bureau. Non, bon, membre du bureau. On est clair, donc j'ai pas de... Personne... Ok, c'est pas grave, tu prends cher quand même. Bien, si pas de souhait d'intervention... Si, alors souhait d'intervention, Madame Alquies. Oui, merci. Je voudrais quand même faire savoir donc, aux associations seniors que vous avez décidé d'appliquer une règle, un peu comme la règle qui avait été faite pour les scouts, de donner 20 euros par adhérent. Bon. Donc ça veut dire une baisse de subvention globalement pour la plupart, sauf celle du CHCR. Et donc nous regrettons un petit peu ça. Et nous regrettons aussi, évidemment, le paiement des salles municipales. Les associations avaient l'habitude, notamment à Roquencourt, de s'arranger entre elles, d'utiliser la salle qui était pour elles. C'était bien la maison des associations. Donc nous pensons que ça donne un message négatif aux associations dans un moment où c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Et donc c'est dommage un petit peu de décourager les bonnes volontés. Voilà. Alors, Monsieur Soleil, Monsieur Ribert et moi-même. Madame Alquies, pour compléter ce que vous venez de dire sur la modification du mode de fonctionnement d'attribution aux associations de personnes âgées, la règle de 20 euros par personne adhérente est une règle d'abord très souple, puisque aujourd'hui elle ne s'applique pas à toutes les associations. Et puis ça ne fait pas que des malheureux, puisque certaines associations qui ne touchaient pas de subventions en touchent maintenant. Et c'est ce principe même d'équité qui nous a semblé intéressant de poursuivre et que nous avons proposé. Voilà. Juste un point sur la maison des associations. Elle est en deux parties. Je ne pense pas vous la prendre. Il y a toute une partie effectivement associative avec des salles dont les associations ont la jouissance et utilisent comme elles le veulent. Puis à côté, vous avez une grande salle qui est effectivement une salle qui fait partie entre guillemets du patrimoine ville et qui a des tarifs location et qui rentre pour le coup sous le coup de la nouvelle organisation. Mais aujourd'hui, elles jouent au bridge tous les jours dans leur partie sans aucun souci. Hein. Bien, il se trouve que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des responsables associatifs de la ville historique de Roquencourt. Donc, j'ai pas bien écouté tout ce qu'ils m'ont dit, mais j'ai pas senti d'émotion particulière. J'ai même senti d'ailleurs une forme de compréhension sur le fait qu'effectivement, comme on l'a dit au début, même si le poids des habitudes pouvait laisser à penser qu'à un moment ils étaient chez eux, ça reste des bâtiments publics entretenus avec de l'argent public et qu'à un moment les règles qu'on applique sur la commune du Chesnay sont pas sottes, etc. Et que dans un souci d'harmonisation, on appliquait ces règles-là parce que les bâtiments publics, c'est la ville qui les entretient, que les impôts de tout le monde, adhérents ou pas adhérents. Et honnêtement, peut-être que ça a été un peu dur au départ, mais les interlocuteurs que j'ai eu en face de moi étaient plutôt très compréhensifs. Et je crois pas qu'on martyrise personne. On est même plutôt attentif parce que ce sera un des indicateurs finalement d'une fusion réussie. Le temps d'harmonisation de la vie associative au Chesnay historique et à Roquencourt est un temps relativement long, mais on discute et on essaie d'appliquer, Louis-Marie Soleil l'a dit, des règles d'abord qui sont compréhensibles, hein, vous les avez rappelées, qui essayent d'être équitables. On essaie d'être rigoureux, même si on a l'impression chaque année d'une forme de tacite reconduction. Moi, je remercie, parce qu'il ne s'est pas auto-remercié, mais Tandy Odic de Carden pour le travail extrêmement long et patient d'instruction de ces dossiers. C'est, on va le dire, c'est un peu rébarbatif. Et Jean-Christophe évidemment pour la partie sportive et Jean-Michel Vengère qui est pas là pour la partie culturelle. C'est un travail extrêmement sérieux qui est fait pour bien souvent effectivement reconduire presque à l'identique les subventions de l'année passée, mais ça reste de l'argent public, c'est beaucoup d'argent que nous remettons dans les associations. Moi je pense que c'est de l'argent bien utilisé, mais on dépasse le million d'euros, voilà, 1 100 000, ça, c'est pas tout à fait rien. Hein, on a parlé des chiffres, c'est beaucoup d'argent que nous redistribuons, mais c'est pas ni l'argent du maire ni l'argent de la majorité, c'est de l'impôt.
toujours de l'impôt. Et même pour une subvention de 50 ou 100 euros, c'est de l'impôt. Et donc, c'est un travail extrêmement rigoureux. On essaie d'être équitable. Voilà. Et quand les dossiers sont incomplets, ben, tant pis, dommage, parce que maintenant, ça fait 3 ans qu'on explique les règles du jeu. Quand à un moment, les associations sont excédentaires, hein, je rappelle que ce sont des subventions d'équilibre. Quand les associations vivent leur vie et largement parce que les adhérents ne sont pas payés cher, moi je ne peux que m'en réjouir, mais on n'a pas à leur redonner de l'argent public. Et après, à un moment, sur les locations de salles, on préserve notre budget. Et donc, à un moment, je pense qu'une partie des associations. Alors, là aussi, hein, à Roconcours, on a des associations qui sont plutôt très dans l'investissement. Hein, plus généreuses d'ailleurs vis-à-vis que celle du Chesnay, hein, c'est le poids de l'histoire. Et donc, on essaie de tenir compte de la réalité. Il y a des associations qui sont très contributives, d'autres qui sont toujours en train de demander un peu plus que ce qu'il faudrait. Voilà, c'est la réalité. Petit à petit, on va tendre vers des règles d'harmonisation parce que la fusion nous a renvoyé en pleine tête des différences de traitement sur des associations qui sont exactement sur les mêmes segments. Quand vous avez 2 clubs de bridge, 2 clubs de tennis, à un moment, forcément, c'est difficile de ne pas comparer et de voir qu'il y a des règles. Et je ne dis pas que d'un côté, elles étaient bonnes et de l'autre mauvaises, mais il y a des règles qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, on a des écarts de traitement qu'il va falloir avec le temps corriger. Voilà, donc c'est un travail lent et patient, et il ne se fera que dans le dialogue. Et je trouve que globalement, nous avons en face de nous des responsables associatifs qui sont plutôt très respectueux des subventions. Et je pense que dans un mois, je vous relirai les nombreux mails de remerciements, etc., même pour des sommes assez modestes. On a en face de nous des gens qui sont respectueux de l'argent que nous leur reversons au travers de cette délibération. Donc voilà, je voulais compléter. Monsieur Dick Ducarmen. Madame Alquier, moi je suis président d'une association depuis une quinzaine d'années, dont a fait partie certaines personnes de la salle. On m'a toujours donné un tarif pour la location de salle, on m'a toujours donné un tarif pour une réunion exceptionnelle, et le maire de cette ville ne me fait pas payer mes réunions, sauf quand je demande des choses exceptionnelles, 1, 2 ou 3 réunions qui ne sont pas prévues par rapport à ma convention. Et vis-à-vis des associations que nous avons au Chesnay, aujourd'hui, on applique la même chose, tout simplement. Et l'équité. Merci, monsieur le maire. Si je peux. Mais je vous en prie. Là, vous parlez à quelqu'un qui s'est occupé des associations et qui les a accompagnées pendant de très nombreuses années. Donc, on est tout à fait sur le même mode de fonctionnement. Et nous sommes très attachés à aider les associations. Alors, vous parlez d'associations avec une règle commune. Mais chaque association a sa façon de fonctionner, ses propres activités. Il y en a qui font du social, donc font autre chose. Enfin bon, elles ne sont pas forcément toutes comparables. Donc je suis toujours un petit peu embêtée avec les. Alors, je me suis peut-être mal exprimé sur la comparaison. J'ai pas comparé le club de tennis avec le club de bridge. J'ai comparé 2 clubs de tennis entre eux, 2 clubs de bridge entre eux. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez été attentif à mes propos. Oui, et je dis que c'est difficile pour le coup sur une activité complètement similaire d'accepter dans la durée des différences de traitement extrêmement importantes. Et je redis, quand vous avez d'un côté des assos qui sont prêtes à investir parce que voilà, et de l'autre côté, et de bonne foi, les assos disent bah, écoutez, c'est à la ville de mettre à dispo et d'entretenir les équipements, ce qui est plutôt la règle commune. Voilà, donc à un moment, l'héritage de la fusion sur le tissu associatif, il est de cette teinture. Je dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis qu'effectivement, politiquement, et je l'assume, je souhaite que dans un laps de temps pas infini, on tente vers une convergence des pratiques pour que tout le monde soit traité de la même manière, ni trop ni trop peu. Et je dirais aussi que là, l'application un peu brutale de cette nouvelle règle est un petit peu, voilà, pour des associations qui n'étaient pas forcément au courant, ça a été un petit peu brutal quand même pour les associations et ça ne faisait pas preuve de bonne volonté, on va dire. Mais voilà, bon. Mais c'est le vivre ensemble, c'est le lien social. Donc, nous y restons très attachés et donc nous serons toujours très vigilants à ce que les associations soient bien traitées. Et mais je partage et je pense qu'elles le sont. Je vous propose maintenant de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité, merci pour l'ensemble de notre tissu associatif. Monsieur Soleil, je pense que c'est la dernière délibération. Non, pas la dernière, une autre après, mais celle-là n'est pas complètement anodine. Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2023. Je voudrais en profiter pour rappeler que à partir de 2023, plus personne au Chesnay ne paiera de taxes d'habitation, puisqu'elle a été supprimée dans le cadre de la loi de finances pour 2020. Et quand on a rencontré un certain nombre de taxes d'habitation sur la résidence principale, vous avez raison, Madame Alquier.
plus personne ne paiera. Et c'est nécessaire de le rappeler parce qu'il y a un certain nombre de contribuables qui pensaient qu'ils en avaient payé en 20, 21, 22 et que ça continuait de vitam aeternam. Donc rappelons-le, nous tous, aux gens qui nous entourent et qui se posent la question. Quant aux autres taxes, donc je rappelle que les taux aujourd'hui sont de 25,78, les taux communaux, hein, sont de 25,78 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 26,40 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et qu'on a encore deux taxes d'habitation pour les résidences secondaires qui sont distinctes pour la commune historique du Chesnay d'une part, elle est à 11,34, et puis la commune historique de Roquencourt d'autre part est à 6,95, et c'est comme ça depuis deux ou trois ans, depuis 2019. Donc l'idée là, c'est de faire converger ces deux taxes d'habitation sur les résidences secondaires distinctes, et de les faire converger, parce qu'en fait on n'a pas le choix, au niveau du taux moyen pondéré qui est de 10,72%. Voilà, donc les taxes qu'on vous propose d'appliquer pour l'exercice 2023, c'est donc 25,78 pour l'ensemble de la commune, pour ce qu'on appelle la TFPB, taxe foncière sur la propriété bâtie, 26,40 pour la propriété non bâtie, taxe foncière sur la propriété non bâtie, et 10,72 pour toutes les taxes d'habitation sur résidence secondaire. Moyennant quoi, ça générera un produit des taxes de la fiscalité directe de 24 981 420 euros, qui est le montant qui apparaît dans le budget, dans les tableaux que nous avons vus tout à l'heure. Y a-t-il des souhaits d'intervention pendant que je signe? Oui. Alors la parole est à Madame Alquier. Prenez votre temps, Madame Alquier. Merci. Alors, évidemment, nous avons fait part de notre proposition au moment de la délibération sur le budget 2023. Nous n'avons pas imaginé une seule seconde que vous auriez pu de nouveau augmenter, parce que là, quand même, déjà 30% d'un coup, s'il fallait encore augmenter, je pense que là, on était dans l'absurde, à mon avis. Et donc, nous restons contre cette forte augmentation. Donc, nous resterons cohérents avec notre position et nous voterons contre. Merci, Madame Alquier. Je rappelle que la forte augmentation visait juste à rattraper le très fort décalage que nous avions avec des villes de même taille sur notre territoire. Et donc nous n'avons fait que nous remettre en queue de peloton des taux d'imposition. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la DDFIP. Voilà, qu'on n'a pas augmenté par plaisir, mais je ne vais pas refaire tout l'argumentaire que le Marie-Soleil a développé. Que nous sommes prudents et que nous n'avons rien exclu en préparant ce budget 2023, parce que vu la première partie de mandat, je ne sais pas si nous aurons une année normale. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est qu'une année normale, mais bien malin celui qui pourra dire de quoi sont frais les coûts de l'énergie. Est-ce que le devis de Langevin restera à 14, baissera à 12, montera à 18? Je n'en sais strictement rien. L'actualité géopolitique est juste, vous me l'accorderez, un peu inquiétante, et donc ne serait-ce que le conflit en Ukraine, malheureusement, ne nous réserve rien de très bon à brève échéance. Donc forcément, à un moment, on est obligé d'être prudent. Voilà, et donc on a essayé, avec les choix fiscaux que nous avons faits, de sécuriser ce qui nous paraissait être les investissements nécessaires sur cette mandature, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans des investissements qui, pour moi, sont essentiels. À bien des égards, refaire une école publique, c'est essentiel. Le coûte que coûte, je l'assume, j'espère qu'on ne fera pas x2, hein, pour rester dans les slogans. Mais voilà, je traverse en tout cas une mandature pour le moins agitée en termes d'événements extérieurs. Et donc forcément, à un moment, on essaie d'être prévoyant. Voilà, mais j'espère qu'on retrouvera un jour des temps calmes et que l'inflation se calmera, puisque l'inflation n'était pas non plus au menu. Voilà, je redis, ce que nous vivons depuis 3 ans, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui était à l'agenda. Et quand chacun, les uns et les autres, ont relié notre programme de 2019-2020, on n'avait pas imaginé le tiers du quart de ce qu'on a traversé collectivement depuis 3 ans. Donc forcément, ça nous amène à être un peu prudent. Pour donner une note d'espoir, l'inflation aux États-Unis baisse déjà et le coût de l'énergie également. Donc restons sur une note d'espoir. J'entends bien, mais mon tempérament est plutôt un tempérament prudent. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc 6 votes contre, y a-t-il des abstentions? Et pour le reste, à la grande majorité. Merci.
Alors, Monsieur Solé, cette fois-ci, ça doit vraiment être la dernière, mais il faut être prudent. Plan pluriannuel d'investissement 2022-2026, modification des autorisations de programme, dont vous allez nous redonner les numéros, ouverture d'une AP numéro 705 et répartition des crédits de paiement. Non, je ne vais pas vous donner le numéro parce qu'ils sont écrits. Je ne vais pas non plus rappeler le principe du PPI et surtout de ces autorisations de programme et les crédits de paiement. Je vais juste vous dire que l'idée de cette délibération, c'est de vous faire ou non valider la modification du PPI qui est en cours, donc qui concerne les années 2022 à 2026, dans lequel pour le moment sont inscrits d'une part le projet de restructuration de l'école Langevin qui était actuellement qui est chiffré à 12,2 millions. Et puis nous avons aussi la rénovation thermique et la mise aux normes PMR de l'école de musique pour 935 000 euros. La rénovation des vestiaires du gymnase Corneille pour 733 200 euros et la création d'une bibliothèque de quartier dans la ZAC du Bourg pour 1 206 000 euros. Donc les modifications en fait concernent principalement les coûts de Langevin et de la bibliothèque du Bourg, puisque on en a déjà parlé un certain nombre de fois, on est amené à faire face à principalement des augmentations par rapport au projet tout à fait initial, des augmentations qui font suite à la consultation des entreprises. Donc aujourd'hui, pour Langevin, on est à 14,95 millions. Donc c'est en hausse de 1,895 millions par rapport aux études initiales. Et pour la ZAC du Bourg, dont on a aussi longuement débattu, on est maintenant à une évaluation du coût global d'opération de 2,015 millions euros, soit une hausse de 809 000 euros. En face de ces dépenses supplémentaires que nous envisageons et que nous estimons nécessaire d'inscrire dans le PPI, il y a aussi des modifications de recettes, puisque dans le PPI, on fait apparaître non seulement les prévisions de dépenses, mais aussi les prévisions de financement. Et donc, un certain nombre des subventions que nous avons demandées sont maintenant inscrites dans le PPI. Par exemple, pour Langevin, nous avons été notifiés de la subvention du département pour 3 132 400 euros, donc, qui est maintenant inscrite. Et puis, nous avons estimé que la demande de subvention déposée auprès de la région Île-de-France dans le cadre du contrat d'aménagement régional, qui pour nous représente une demande de 1,5 million, pouvait être inscrite. En revanche, la demande faite auprès de la DECIL, qui est jugée pour le moment d'un résultat trop incertain, n'est pas inscrite. De la même façon pour la ZAC du Bourg, alors la première subvention, elle n'est pas reprise au PPI parce qu'elle a déjà été constatée au compte administratif de l'année 2029. C'était la subvention au titre de la dotation générale de décentralisation. En revanche, on a fait une demande supplémentaire auprès de la DECIL pour 455 561 euros. Mais comme pour Langevin, on estime qu'on ne maîtrise pas suffisamment les demandes qu'on fait auprès de la DECIL pour pouvoir anticiper qu'elles nous seront versées, même partiellement. Donc nous ne l'avons pas inscrite. Donc ça, c'est les modifications sur les lignes existantes du PPI. Et par ailleurs, on vous propose de rajouter une ligne qui nous permet de prendre date pour la rénovation de tout ce qui est sous la tribune du stade Michaud, donc vestiaires et sanitaires qui sont dans un état qu'on ne peut même pas décrire tellement c'est indécent depuis des années. Et la honte, ce serait que quelqu'un y aille par hasard et nous dise ce qu'il en pense, parce que c'est absolument lamentable. Donc si on peut le faire, nous tâcherons de le faire pendant la fin de la mandature. Et donc pour ça, il est important de prendre date et d'inscrire non seulement l'objet, c'est-à-dire la rénovation du stade Michaud, et un montant qui est très estimatif pour le moment, qui est à 750 000 euros. Voilà ce que nous vous proposons. Donc vous avez le fameux tableau que tout le monde connaît bien et aime beaucoup d'ailleurs, multicolore, là, jaune, vert et rose, qui était en pièce jointe numéro 2. Merci Monsieur Soleil. Oui, un mot donc sur les fameux vestiaires du stade Michaud. Donc j'ai émis le souhait modestement qu'on les refasse cette année. J'ai compris que voilà, la phase d'étude était un peu plus longue que ce que j'imaginais, puisque je rêvais qu'on fasse les travaux cet été, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc c'est pour ça qu'on choisit ce véhicule, pour ne pas perdre de temps, puisque là pour le coup, autant il y a des travaux qu'il faut impérativement faire l'été, etc. Voilà, les vestiaires du stade Michaud, ça prendra un petit peu de temps, mais j'ai souhaité qu'on prenne le véhicule qui permette de réaliser les travaux le plus vite possible, puisque vous connaissez
tous, autant que vous êtes, l'état de, voilà, de ces vestiaires. C'est un marronnier, mais pas un joli marronnier de nos échanges budgétaires. Donc je pense qu'il est important à un moment d'appuyer sur le bouton. Là aussi, le devis, c'est pas du quoi qu'il en coûte, mais ce sera sans doute plus que ce que j'imaginais originellement. Et donc on va laisser le temps à la fois aux utilisateurs et aux services bâtiments d'objectiver le chantier et de le démarrer dès que possible. Donc j'espère avant la fin de l'année 2023, mais on vous tiendra au courant. Madame Alquier. Ben là-dessus, on vous suit. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ces vestiaires devraient être faits et auraient dû être faits depuis longtemps. On est complètement d'accord. Par contre, nous restons perplexes sur la rénovation de l'école de musique. Et donc, vous le savez, donc on ne comprend pas très bien pourquoi les enfants qui sont rez-de-chaussée n'auraient même pas le droit d'avoir la même chose. Inversement, donc nous nous abstiendrons. C'est noté. Madame Bilger. Cohérence, effectivement, avec ce que je vous ai exposé tout à l'heure sur le plan d'investissement, je m'abstiendrai aussi. Merci. Ok. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on passe au vote. Donc, je comprends qu'il n'y aura a priori pas de vote contre, que nous devrions avoir 8 abstentions, sauf si vous êtes multiplié entre deux délibérations, mais a priori, ça n'est pas le cas. Et pour le reste, à la majorité, merci beaucoup et merci à M. Soleil de s'être acquitté de cette très longue série de délibérations. Je vais passer maintenant la parole à Madame Théménides pour nous faire le bilan des acquisitions et cessions de l'année 2022. Donc c'est du rétroviseur. Madame Théménides, vous avez la parole. Ah, pardon. Madame a besoin de quitter le conseil. D'accord. Et vous avez donné votre procuration à... Bah oui, tant qu'à faire. Alors, Madame Théménides. Merci, bonsoir à tout le monde. J'aurais pu peut-être passer à la fin des éléments de l'année 2022 pour laisser M. Soleil souffler, puisque je viens vous présenter en fait le bilan des cessions-acquisitions de l'année 2022, donc effectivement dans le rétroviseur. Donc il s'agit de porter à la. Enfin, il s'agit donc du bilan de ce qui a été réalisé au titre en nom propre par la commune. Donc on a acquis au cours de l'année 2022 à l'euro symbolique des. Pardon, une parcelle auprès du département des Yvelines pour régulariser quelque chose qui datait de la ZAC de l'étang, qui avait été clôturée en 1995, donc c'est très vieux. On a cédé à l'euro symbolique toujours à la société d'HLM IRP le 62 boulevard Saint-Antoine pour un programme de logement, pour faire 5 logements sociaux. Je précise, alors là c'est un euro symbolique, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une décote de 616 999 euros exactement par rapport au prix de vente, au prix d'évaluation fait par les domaines, par la DGFiP, et que ce montant, cette décote, sera déduit du prélèvement SRU en 2024. Donc ça, c'est la commune elle-même avec des éléments financiers. Autre transfert de propriété est rentré dans le patrimoine communal, les voies Velvert, Ribaud, Impasse Perrault et la partie ouest de la rue Guinemer lors de la procédure de transfert d'office dans le domaine public que je vous avais présenté en 2021-22 de mémoire. Et à contrario, est sorti du patrimoine communal le transfert à titre gratuit également au département des Yvelines de parcelles qui correspondaient au terrain et au bâtiment du collège Charles Péguy et qui relevaient d'une loi qui date de 2004, je pense, loi de déconcentration ou décentralisation, je ne sais plus, puisqu'il y avait le transfert donc des bâtiments qui se faisaient des communes vers les départements pour tout ce qui relevait des collèges. Donc ça, c'est ce qui a été fait par la commune elle-même. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui peut agir en notre nom. Et donc, en 2022, elle n'a rien acquis, mais elle a cédé à Séquence, l'opérateur Séquence, le 22 décembre 2022, un ensemble immobilier. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les parcelles, mais c'est ce qui correspond, ce qui a permis la réalisation, ce qui permettra la réalisation de l'opération de 54 logements, place Simard, pour faire simple, ou entre les rues Julien-Poupinet et. Et j'oublie toujours si c'est le palier, voilà, genre Chapelier. Chapelier, pas le Chapelier. Voilà, étant précisé que cette vente est assortie d'une condition résolutoire, oui, liée à l'absence de caractère définitif du permis de construire obtenu pour le projet de logements sociaux. Et donc, je vous propose de prendre acte de ce bilan d'acquisition et cession pour l'année 2022. Merci, Madame Thémine. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce bilan de nos cessions et acquisitions ?
Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante concerne la fixation des tarifs pour la saison culturelle. Monsieur Vengère étant indisponible car malade, je vais le suppléer. En fait, c'est le suppléer. Donc, la délibération, pour son caractère technique, est relativement simple. Elle vise à assouplir très, très modérément la grille tarifaire. Et je reviens juste d'un mot sur la demande qui avait été formulée par le service culture l'an dernier quand on leur avait demandé, comme tous les autres services, de faire de la productivité. Ils ont dit non, pas de productivité, mais on va augmenter les recettes. Et donc, ils ont tenu leurs engagements, je tiens à le dire, mais au prix d'une grille qui avait été déjà augmentée. Et il se trouve que les spectacles, nos spectacles phares marchent très bien. Les trois derniers, les deux spectacles de Tonquédec et de Maison ont fait carton plein. Et donc, nous estimons qu'il y a un peu de marge pour aller augmenter le tarif dit premium. Et donc, vous avez en annexe de la délibération la programmation plutôt séduisante pour la saison prochaine. Et donc, nous faisons pari avec cette grille tarifaire que nous augmenterons là aussi légèrement les recettes sur nos spectacles les plus attractifs, hein, je n'ai pas dit les plus rentables, mais les plus attractifs. Et nous rajoutons également un tarif unique intermédiaire à 10 euros qui apparaît pertinent pour un certain nombre de spectacles en placement libre. Donc fondamentalement, la grille ne change pas. On augmente un tout petit peu le tarif le plus haut pour à la fois permettre d'aller chercher des artistes de bon niveau, même si vous savez que Xavier Brouard, qui prépare les saisons 2 ans à l'avance, est assez dur en affaires. Et donc, voilà, la programmation est une programmation à la fois de qualité, mais qui ménage les finances de la commune. Mais voilà ce qui vous est proposé comme petite évolution de la grille tarifaire. Madame Alquier. Oui, je voudrais simplement souligner la grande qualité des spectacles, effectivement, de la saison culturelle au Chénéreau Concours depuis longtemps. Et donc, je voulais féliciter toute l'équipe culture et tous ceux qui participent à cette grande qualité. Et j'apprécie aussi le fait d'aller chercher des lycées, des élèves pour assister à des pièces, et notamment celle de Village des Sourds était une pièce exceptionnelle. Qui est toujours programmée à Paris pour les retardataires, mais il faut se dépêcher donc, parce que voilà, je crois qu'il reste une petite semaine. N'hésitez pas à y aller. Et donc voilà, je voulais dire un grand bravo à toute l'équipe culturelle de la ville. Eh bien, nous relayerons vos remerciements et je redis, puisque c'est la petite commande politique que je fais avec Xavier Brouard, vous verrez l'année prochaine qu'il y a 3 ou 4 spectacles qui ne sont pas du divertissement, qui abordent des thèmes de société, pas les plus faciles, mais c'est le privilège des artistes de nous permettre de réfléchir. Donc il y a des pièces parfois sur lesquelles on ressort un peu secoué, donc il y en aura un peu plus l'an prochain sur des thématiques diverses, mais je vous invite à y être attentif. Et pour ceux qui ont eu l'audace d'aller voir le Village des Sourds, c'est vrai qu'au départ, ça paraissait pas simple, même si le thème était sympa. Le bilan est absolument bluffant, à la fois sur la qualité du texte, la qualité de l'interprétation. Et donc, je redis, pour ceux qui veulent s'égarer au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 21 ou 22 avril, il y a des séances de rappel. Et donc, c'est aussi le côté très positif d'accueillir en résidence de compagnie et d'avoir des artistes qui produisent chaque année, Léonore Confino en fait partie, et qui abordent courageusement des thèmes qui ne sont pas des thèmes confortables. Et c'est bien aussi d'aller au théâtre de temps en temps pour autre chose qu'un moment de plaisir, comme ça peut arriver aussi au cinéma. Mais donc je ne peux que vous inviter à, dès à présent, faire la pub de la prochaine saison. C'est vrai aussi de la pièce La Maison du Loup. Oui. Il y avait une interprétation exceptionnelle. Oui. Voilà. Et ça, c'est en septembre, à Absolument. Paris. Très bien. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Ribert, voilà venu le temps des délibérations à caractère RH. Et la première est une convention relative à la mise à disposition d'un agent du CIG pour des missions administratives auprès de notre commune. Merci, monsieur le maire. Donc, pour rappel, le CIG, Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de l'Île-de-France, est entre autres le garant de l'existence d'un système de carrière pour les fonctionnaires territoriaux en apportant son expertise et ses conseils dans l'application du statut et d'une manière générale dans tous les domaines se rapportant à la gestion des ressources humaines. En l'occurrence, cette convention doit nous permettre finalement de profiter d'un système quasiment d'intérim avec la mise à disposition d'agents de différentes catégories selon nos besoins. Dans la délibération était mis l'exemple
d'une ressource en gestion comptable. Entre-temps, a priori, on n'en aura pas besoin pour ce type d'opération, mais pour d'autres. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir effectivement utiliser la convention au moment où on en aura besoin. Et pour rappel et information, le CCAS pour l'EHPAD a fait le même type de délibération il y a quelques temps. Une convention, effectivement, qui n'a pas de coût que si on déclenche le service du CIG. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Hubert. Des souhaits d'intervention ? Je n'en vois pas. Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Et voilà le tableau des effectifs et des emplois. Modification. Merci, monsieur le maire. Donc, le tableau des emplois et des effectifs de ce mois est relativement court et restreint. Il concerne à chaque fois des éducateurs, jeunes enfants ou auxiliaires de péricultrice. Dans un cas, il y a un départ en congé maternité. Et donc, on a besoin de créer un emploi pour qu'une personne puisse être recrutée pour remplacer l'agent pendant un an entre son arrêt maladie et congé maternité. Et puis dans l'autre cas, c'est un départ en mutation qui est prévu au mois de mai. Et donc un petit tuilage en attendant de supprimer évidemment le poste de la personne qui sera partie au mois de mai. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Hubert. Des souhaits d'intervention sur cette modification du tableau des emplois effectifs ? Non. Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Délibération suivante concerne l'instauration de l'allocation aux parents d'enfants handicapés. Donc effectivement, dans le cadre de notre politique globale, finalement, de la prise en compte du handicap, il nous paraissait utile et important de pouvoir faire profiter aux agents de mettre en place l'allocation aux parents d'enfants handicapés, qui est une aide qui entre dans le champ des actions sociales complémentaires. Elle sera versée pour les parents qui ont un ou plusieurs enfants, c'est par enfant de moins de 20 ans, avec un taux de handicap rappelé à 50%. Ensuite, il y a évidemment des conditions de non-cumul pour cette allocation. Le montant au 1er janvier 2023 est de 172,46 €. Il est sans condition de ressources. Ce montant fera l'objet d'une revalorisation par voie de circulaire interministérielle. La mise en place se fera au 1er juillet 2023. On estime, parce qu'on ne peut que estimer, on n'a pas la connaissance évidemment de l'état de tous les enfants et autres des agents. Donc on estime qu'il y aura entre 10 et 15 enfants qui seraient concernés. Merci monsieur Hubert. Des souhaits d'intervention, madame Fauvel, vous avez la parole. Juste une petite précision dans le titre « Instauration de l'allocation aux parents d'enfants handicapés ». Dans le cadre de la mairie du Chesnay. Juste le préciser. Absolument. Merci. Pas d'autres souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous allons passer sur le dossier Langevin avec une délibération concernant les dispositions particulières liées à l'accueil temporaire des élèves de la dite école sur d'autres sites pendant les travaux. Madame Siadou, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc pour mémoire, les travaux de l'école Langevin vont démarrer le 10 juillet pour une période de 2 ans. Donc un peu plus de 200 enfants de l'école Langevin vont être répartis sur les sites de Guinemer et le nôtre. Donc selon une répartition qui a été actée par l'équipe enseignante de l'école Langevin et bien évidemment avec l'appui de notre inspecteur. Quant aux fratries de Perrault, elles ont soit la possibilité de rester à l'école Perrault, soit pour les familles qui le souhaitent, elles avaient la possibilité pour, durant la période des travaux, que leurs enfants soient scolarisés à Fourin ou à Aigle. Donc, en prévision de la rentrée du 4 septembre 2023, les écoles de Le Nôtre et de Guinemer font l'objet de quelques aménagements. Comme l'a évoqué M. Soleil tout à l'heure, donc pour accueillir les enfants supplémentaires dans ces écoles-là et pour, j'ai envie de dire, le bien-être de tous. Donc il va y avoir la création de déposes minutes, rafraîchissement des classes et les transferts de tableaux numériques interactifs. Et du côté de Le Nôtre aussi, l'extension de cours, la pose d'un espace modulaire pour accueillir donc, les enfants supplémentaires au niveau du périscolaire. L'extension du réfectoire aussi de restauration qui a été évoquée tout à l'heure et l'aménagement de nouveaux toilettes. Donc pour se rendre dans ces écoles d'accueil,
les familles vont devoir adapter leur trajet et leurs horaires, notamment pour les fratries qui pourraient être séparées entre deux écoles distantes. Donc pour cela, pour améliorer, pour accompagner au mieux les familles sur cette période et fluidifier aussi les entrées et les sorties des écoles d'accueil, des mesures d'accompagnement sont proposées, donc deux mesures principales. La première, c'est le remboursement des forfaits de transport en commun Imagine Air, donc au tarif de 24 euros l'unité. Donc pour les enfants de l'école Langevin qui seront scolarisés sur le nôtre ou Guinemer, pour donc utiliser les bus 1, 2 ou 5, dont les dessertes sont proches de ces écoles. Et le remboursement serait bien évidemment étendu à la fratrie si les frères ou les petites sœurs de maternelle étaient scolarisés dans les écoles publiques aussi à proximité. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est la gratuité de une demi-heure avant le début de l'école, donc entre 7h50 et 8h20 sur les sites de Forain, Le Nôtre, Aigle et Guinemer, et une franchise tarifaire une demi-heure après la classe entre 16h30 et 17h. Donc cette proposition aussi, donc bien évidemment pour les écoles, les enfants de Langevin qui seront déplacés sur les autres sites. Et cette proposition aussi sera faite pour les enfants de Perrault, lorsque les fratries donc seront à Le Nôtre et à Guinemer. Au niveau du forfait imaginaire, on a estimé ce coût pour la commune qui serait de 6 000 euros maximum, en tenant compte d'un effectif d'environ 250 enfants maximum qui seraient susceptibles de le demander. Quant aux demi-heures gratuites, l'impact financier sera nul pour la commune puisque les accueils sont, comme vous le savez, sont gérés par les ADSEM et les animateurs au sein des différents sites d'accueil, et qu'il y aura bien évidemment un redéploiement aussi des animateurs sur les différents sites en fonction des besoins d'encadrement et des surplus d'effectifs sur principalement les deux sites impactés. Voilà, donc là aujourd'hui, avec cette délibération, il est proposé à l'Assemblée de mettre en œuvre ces dispositions d'accompagnement à caractère financier du projet de rénovation de l'école Langevin pour les années 2023-24 et 2024-25. Merci Madame Sédou. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Madame Alquier? Oui, donc il nous paraît que c'est bien le moins qu'on puisse faire pour accompagner les familles qui sont quand même assez perturbés par ce projet, ce qui est normal. Et donc, je ne suis pas sûre que la solution de prendre le bus, comme tout le monde, quand on a 6-7 ans, soit forcément une bonne solution. On aurait préféré des navettes sécurisées plutôt que simplement donner accès à un bus. C'est un peu notre sentiment. Mais bien sûr, nous voterons déjà ça. Voilà. Pour répondre juste à votre question par rapport au bus, c'est une idée que nous avions eue, mais qui a été soutenue par les parents d'élèves, puisque vous avez quand même des parents aujourd'hui qui vont travailler en transport en commun et qui ont des cartes Navigo, et leurs enfants n'en ont pas. Et c'était une problématique pour eux. D'emmener leurs enfants à l'école en bus n'était pas une problématique, mais la problématique était le coût du transport. Donc on a répondu aussi à cette demande qui avait été évoquée de certaines familles, de pouvoir les accompagner en finançant le transport de leurs enfants. Et il faudra sans doute effectivement anticiper l'arrivée des élèves le matin. Effectivement, vous avez rajouté un point de dépose minute, mais ça va compliquer sans doute l'accès avec l'avenue Charles de Gaulle. Non, puisqu'il y aura trois dépose minutes distinctes autour d'école de Nôtre. Voilà, peut-être optimiste. Bon. Non, je crois qu'on est. Moi, je salue le travail de fin de préparation de ces mesures d'accompagnement. Vous rappelez, Madame Alquier, vous qui êtes soucieuse de l'utilisation des deniers publics, moi, la navette sécurisée, c'est too much, clairement. Quand on a la chance, mais c'est de l'argent public. Voilà, quand on a trois lignes de bus qui desservent parfaitement le quartier d'origine vers les quartiers de destination, je préfère qu'effectivement on paye de l'abonnement que de faire rouler des navettes à l'heure de pointe dans notre ville. Chacun son
son appréciation des mesures à mettre en œuvre. En tout cas, ce travail qui n'était pas simple a été fait dans les délais là aussi pour permettre de rassurer autant que faire se pouvaient les familles et de permettre aux services de réaliser, parce que là pour le coup la date n'est pas du tout négociable, les quelques travaux d'aménagement qui permettront d'accueillir les enfants de Langevin dans les meilleures conditions possibles, je vais le dire comme ça. Évidemment, on sera très attentif aux premières semaines de rentrée, le temps que les choses s'ajustent, comme elles s'ajustent toujours dans ce type de circonstances. Mais globalement, pour ceux qui ont assisté aux réunions publiques, et il y en avait une dédiée aux parents de Langevin, vous avez vu que petit à la salle était pleine, et globalement, la réaction des parents était plutôt attentive et bienveillante par rapport aux mesures qui ont été proposées. Voilà, donc je donne rendez-vous à tout le monde à la rentrée, à la fois pour s'assurer que les travaux ont démarré en vrai à Langevin, mais ça, on ne va pas attendre la rentrée, on va s'y attaquer dès cet été, et puis faire en sorte que les enfants des écoles publiques du Chesnay soient bien accueillis partout, dans toutes les écoles publiques, et c'est le message que j'ai passé à tous les parents d'élèves. Moi, je ne suis pas le maire de l'école Langevin ou de l'école Perrault ou de Dieu sait quoi, etc. À un moment, pour tous nos enfants scolarisés dans les écoles publiques, je veillerai à ce qu'ils soient bien accueillis partout et par tout le monde. Et vous savez comme moi que sur les travaux de Guynemer, ça n'a pas été complètement simple. Donc, bien évidemment, je suis à l'écoute, mais le discours que je ne cesserai de porter, c'est que tous nos enfants doivent être accueillis convenablement dans toutes les écoles publiques de la ville. Je crois que c'est important de le dire à cette occasion. Madame Bilger. Oui, moi, je voudrais plutôt intervenir sur la problématique d'investissement au niveau de le nôtre. En fait, vous avez évoqué le montant de 450 000 euros tout à l'heure. Hein, je ne me trompe pas. Voilà, et c'est ce qui me pose quand même problème de savoir qu'aujourd'hui, je vous rejoins sur le fait d'accueillir des élèves, mais investir 450 000 euros sur une école qu'on va fermer et détruire, voilà, sur le fond, ça me dérange. Je peux comprendre, ça ne m'enthousiasme pas. Après, y a des équipements qui sont là pour accueillir en volumétrie, dans de bonnes conditions, les élèves. Il y a des travaux dont je me serais vraiment passé. Les travaux d'aménagement du réfectoire, mais la loi est ainsi faite que tant qu'on ne modifie pas un équipement, on peut déroger à tout un tas de choses, et que le jour où vous faites des travaux avec un seuil un peu significatif, vous êtes obligé de vous mettre aux normes. Voilà. Alors, on aurait pu dire, si on avait su, on aurait mieux fait de faire ces travaux 10 ans à l'avance. Pendant 10 ans, les enfants auraient profité des travaux. Ça ne marche pas comme ça. C'est clair que si j'avais eu la main et pas les contraintes légales, sans doute que j'aurais demandé aux enfants de faire l'effort de manger dans le vieux réfectoire qu'ils pratiquent depuis des années et que vous connaissez pour ceux qui fréquentent ces bureaux de vote. Voilà, il se trouve que c'est la loi et donc on va appliquer la loi. Et donc, il y a effectivement, ça fait partie des dégâts collatéraux, ça reste des petits investissements qu'on va faire pour se mettre en conformité. Et c'est effectivement moins cher qu'un Algeco. Hein. Parce que des solutions qui évitaient les travaux, c'était l'allocation d'équipements plus coûteuses. Donc on a là aussi fait les choix les moins impactants, mais on savait que de toute façon, la partie déménagement et accueil des enfants de Langevin pendant la phase travaux, elle ne serait pas complètement gratuite. Je pense qu'au bilan, vous verrez que par rapport à des solutions, et je le vois là sur un projet de reconstruction d'un collège dans une ville voisine, le devis de réinstallation du collège provisoire sur site, parce qu'il n'y a pas de site pour déporter, etc., ça coûte très très cher, mais vraiment très très cher. Donc là, on compte en centaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas rien, mais s'il avait fallu installer une école provisoire sur un terrain que nous n'avons pas, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Mais je partage avec vous, j'aurais préféré que tout soit aux normes, mais je ne vais pas revenir sur le fait que ce bâtiment qui accueille des enfants, il n'est pas du tout aux normes non plus. On ne va pas remettre une pièce dans la machine. Monsieur Soleil. Je dirais, Madame Bidger, que en fait, les 450 000 euros que j'appelle de travaux collatéraux, ce n'est pas uniquement propre à le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est un certain nombre d'autres petites choses. J'ai le détail là, mais pour être tout à fait franc, c'est écrit tellement petit que je ne peux pas le lire. Donc, si vous voulez, vous pourrez. Non, si vous voulez, on peut regarder ensemble, si vous voulez, le détail de ces 450 000 euros, mais ce n'est pas que le nôtre. Si pas d'autres souhaits d'intervention sur cette délibération, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Monsieur Voiseux, voici venu le temps de parler sport. Alors certes, mais voilà, c'est bien que je saute une délibération. Vous allez nous parler d'une convention de partenariat avec l'association de volleyball et l'association sportive du collège Charles Péguy pour l'utilisation des terrains sportifs à venir du parc Aubert. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors, je vais me permettre de faire une présentation commune sur les deux délibérations, parce qu'il y en a une derrière, c'est pas sur si, vous avez le droit. Si vous me permettez.
comme ça regroupe un petit peu le même, sur le même principe. Donc, comme vous avez vu au budget, il y a la réhabilitation de deux terrains de tennis du parc Aubert en terrain de multisport. Et dans le cadre de ce projet, on cherche des subventions. Et dans ces subventions, on a l'appel à projet de l'Agence nationale du sport pour les 5000 terrains de sport. Pour déposer ces dossiers, on a deux principes à suivre. Déjà, d'avoir une convention de signer avec une association sportive qui va utiliser ces terrains. Donc là, sur les terrains, on aura le beach volley. Et donc, avec l'AS du Collège Charles Péguy et l'association sportive de volley, on va signer une convention pour l'utilisation qui va nous permettre de déposer le dossier de demande de subvention. Et dans le même cadre, on nous demande, donc ça c'est la deuxième délibération, d'avoir une tarification de cette infrastructure en cas de location. Et donc c'est pour ça qu'on repasse la délibération en rajoutant ces lignes sur le parc Aubert, en sachant qu'on a mis un tarif sur le même principe que les autres, du mètre carré, un tarif au mètre carré et à l'heure, qui est de 0,008 du mètre carré. Voilà. Et à savoir sur ce projet qui est au budget à 215 000 euros, des prévisions qu'on a des devis, tout ça, on sera inférieur à ça, on sera autour des 180 000. Et on a déjà une subvention de 75 000 par la région, et donc va se rajouter dessus l'ANS. Voilà. Merci, Monsieur Oiseau. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la première des deux délibérations, même s'il ne reprendra pas la parole pour la deuxième ? Je n'en vois pas, donc je vous propose pour la première délibération de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, merci. Et donc sur la deuxième délibération qui concerne la révision des redevances d'utilisation des installations sportives communales, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, merci. Je profite de cette délibération, puisque Jean-Christophe Voiseau m'a accompagné, pour saluer la belle performance du Sélois Chennais Volleyball masculin, qui monte cette année en National 3. Donc on est très content pour eux, mais ça nous renvoie en pleine poire que les équipements sportifs de l'agglo sont tous dans un triste état et qu'ils vont être obligés de déménager puisqu'ils ont fait leur dernier match dans le somptueux gymnase Pierre Corneille, qui est dans son jeu depuis 60 ans, mais nous n'avons pas de leçon à donner à nos amis de la Selle-Saint-Cloud, et qu'ils vont se réfugier au gymnase Curva, qui est un peu en meilleur état et qui devrait être capable d'accueillir de la National 3 pour des histoires de vestiaires. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment, pour ceux qui cherchent des idées d'investissement, on a à la fois un tissu sportif tout à fait remarquable et des équipements qui sont absolument pas à la hauteur. Et je ne parle pas de la très haute compétition. Hein. On peut que souhaiter que nos clubs de temps en temps gravissent des échelons, etc. Mais dès qu'on tangente des bouts de National 3 ou 2, c'est la panique absolue dans toutes les communes. Voilà. Donc si vous avez besoin de nourrir des programmes électoraux à venir, il y a de quoi faire. Et vous savez que le gymnase Nouvelle France fait partie de ces équipements qui sont très très vite limite. Je pense qu'on est toujours un peu border avec le hand. Et il ne faut pas souhaiter qu'on monte en National 1 puisque là on serait out pour longtemps. Voilà. Sur ces petites digressions. Oui. Pardon, non, on a voté. Oui, non, mais c'est juste. Madame Fauvel, allez, pardon. Il manque des mètres carrés. Il manque des mètres carrés. C'est tout. Où ça ? Sur équipement sportif extérieur de petite taille. Alors, monsieur Voiseux. C'est bien au mètre carré. Oui, c'est au mètre carré. Dans l'appellation, le 008 n'est pas marqué au mètre carré, mais quand on prend dans le texte au-dessus, c'est bien dit que tous les tarifs sont au mètre carré derrière. Il y a juste une unité qui n'est pas complète. Merci de votre vigilance, Mme Fauvel. On n'a pas pu le modifier. Je l'avais remarqué il y a deux jours, mais c'était trop juste pour le modifier, c'est pour ça. Ok. Nous arrivons maintenant à une délibération attendue, et j'en profite pour saluer la patience de nos amis de la FUL, M. Fabre, ici présent. Nous allons donc, comme ça a été indiqué un certain nombre de nos administrés, faire le bilan de la concertation de la mise en compatibilité du PLU de Rocancourt. Vous savez que nous avons deux PLU, hein, la fusion n'est pas complètement terminée. Et donc là, c'est le PLU de Rocancourt qu'il nous faut mettre en conformité avec le projet de géothermie. Je vais donc laisser Mme Thémenides faire le bilan de la concertation. Et je dis dès à présent à tous ceux qui s'intéressent à ce dossier que nous n'allons pas projeter là toutes les pièces qui ont été reçues, mais par contre elles seront disponibles sur le site de la ville en intégralité dès demain matin,
donc profitez de la présentation qui n'est pas exhaustive intégrale, qui est faite pour être digeste. Et dès demain matin, pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'avoir l'intégralité de ce qui a été remonté, nos administrés, des éléments de réponse qui peuvent être apportés par un certain nombre de parties prenantes, tout sera ça disponible. Alors, je ne parle pas aux élus parce qu'ils ont tout ça sur leur tablette, mais pour les habitants, tout ça sera disponible de manière très transparente. Madame Temendiez, vous avez la parole. Merci. Alors, je vais essayer de faire ça digeste. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être projetées à l'écran ? Non, du coup, je n'ai pas projeté. Non, d'accord. Okay. Donc, voilà. Acapella. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte de cette mise en compatibilité. Vous le connaissez tous. Je reviens tout d'abord sur les modalités de la concertation. Donc, le Conseil municipal, le 25 janvier dernier, a défini les modalités de cette concertation liées à cette procédure. Il était prévu donc la mise en place d'un dossier de concertation avec des éléments d'information sur le projet de géothermie, le site envisagé et les éléments de PLU qui étaient disponibles sur le site internet de la ville, en mairie au service urbanisme, avec des informations relayées dans le journal municipal. Ceci a été fait, je vous le confirme. La publicité a été faite donc par l'intermédiaire d'affichage sur les panneaux de la ville d'une part et d'autre part d'avis diffusés dans le mensuel et dans la presse locale. Nous avions également parlé de la tenue d'une réunion publique sur le sujet. Elle a eu lieu au Théâtre Nouvelle-France le 13 février dernier. Ensuite, il y avait aussi la mise en place d'un cahier d'observation disponible au service urbanisme et une adresse mail dédiée qui était destinée donc aux contributions. Nous avons recueilli, 32 contributions ont été rédigées directement sur le cahier qui était disponible en mairie et 47 contributions ont été transmises via l'adresse courriel dédiée, soit un total de 79 contributions. Si je fais le parallèle avec d'autres procédures que j'ai eu l'occasion de mener, on peut dire qu'il y a eu à la fois de l'intérêt et du nombre et de l'expression en grand nombre, justement. Les questions et les sujets qui ont été soulevés dans ces contributions rejoignent très largement les échanges intervenus lors de la réunion publique du 13 février dernier. Aussi, je vais vous faire une synthèse autour des 4 thèmes principaux qui ont été soulevés, sachant que le Conseil municipal, comme le rappelait le maire, a reçu l'ensemble des documents et que les autres seront disponibles dès demain. Donc, les 4 principaux thèmes tournent autour du site retenu et des alternatives envisagées, des nuisances pendant la phase de chantier, des nuisances pendant la phase d'exploitation, et puis des questions sur le projet, ou plutôt les 2 projets à venir. Voilà. Donc, sur le premier point, sur le site retenu et les alternatives envisagées, il faut préciser donc que le site proposé, ou choisi, retenu, résulte d'un compromis dans lequel rentrent en compte des données, ou plutôt des contraintes de faisabilité technique, mais également des contraintes liées aux fortes protections patrimoniales de notre territoire et les orientations de la commune. Pour les contraintes de faisabilité technique, elles sont incontournables au vu de la spécificité de ce projet. Je citerai l'accessibilité du site en phase chantier et en phase opérationnelle, puisqu'on en a au moins pour 30 ans. Il y a les contraintes liées à la maintenance future et indispensable des équipements qui constituent cet équipement industriel. En ce qui concerne les contraintes patrimoniales, celles-ci ont été mises en avant d'ailleurs par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique de juillet 2020. On pense aux architectes des bâtiments de France, bien sûr, puisqu'ils sont chargés d'appliquer par leurs avis et décisions des protections patrimoniales qui sont instituées par le ministère de la Culture, lesquelles ont valeur de servitude d'utilité publique et qui s'imposent au PLU. Ces protections ont une transcription et donc des limites cartographiques. Et on peut noter que sur notre projet, les ABF se sont rendus à plusieurs reprises sur place pour voir comment ça s'inscrivait et ne sont pas contentés de travailler sur papier. Troisième point important, les orientations de la commune. En effet, nous veillons à la préservation de certains espaces non bâtis, au sein de notre ville, qui est parmi les plus denses des Yvelines. Les terrains de sport, les espaces verts et à la proximité des habitations qui pourraient être proches justement de cette installation. Pour les différents sites étudiés ou proposés dont je vais vous parler, en fait cela va de quelques mètres pour certains, c'est vraiment très très proche des habitations, à bien sûr beaucoup plus loin, comme on va le voir. Donc dans les alternatives qui ont été suggérées, on va dire, soit envisagées au préalable, soit suggérées lors de la concertation, on peut citer la plaine de jeu par exemple de la rue Mauxouris, que j'appelle plutôt moi la réserve du cimetière, puisque effectivement c'est destiné à cela. Il y a le terrain qui était occupé par Enedis ou par EDF-GDF, alors en ancien franc, qui depuis a été vendu. Il y a la plaine de jeu de l'avenue du Tartre. Il y a les terrains Villevert qui sont sur la commune de Louvciennes. Et il y a le terrain des serres de Rocancourt. Ce dernier a été écarté en fait du fait de sa situation en zone naturelle par opposition à la zone urbaine, parce qu'il est contigu à l'arboretum de Chèvreloup qui est protégé, ainsi que pour les conditions d'accès, puisqu'il est en bordure de la route départementale 186.
Pour autant, suite à la réunion publique, nous avons réinterrogé le département et je voulais lire, alors même si les documents seront publics, mais je voulais citer un des éléments qui est fourni. Donc il est exclu d'y envisager la création d'accès en raison de la vitesse de circulation, 70 km/h, puisqu'il y a plus de 30 000 véhicules qui circulent sur cet axe, et que donc en particulier pour une desserte de poids lourds, cela nécessiterait une voie d'insertion, des ouvrages de tenue de terre, des abattages d'arbres d'alignement, un déport du trottoir et de l'éclairage, générant ainsi un impact paysager et patrimonial majeur. Je vous laisserai vous aurez bien sûr la suite, l'ensemble là, dans les documents disponibles. Voilà pour le site, les différents sites. Sur les nuisances pendant le chantier. Alors un chantier de forage est par définition un chantier bruyant et producteur de nuisances. Le porteur de projet, donc Engie, a l'obligation, dans le cadre des études environnementales préalables, d'étudier les impacts possibles du projet et prévoir les mesures d'évitement, de réduction ou voire de compensation de ces impacts. La note technique qui fait partie des documents disponibles. Donc, la note technique fournie par la société Engie apporte différents éléments de réponse aux questions d'ordre technique qui ont été posées dans les contributions, fruit de leur expérience puisqu'il y a eu plus de 70 forages déjà réalisés en région parisienne entre, de mémoire, 2009, je crois, et 2020. Et donc, elle présente des mesures d'évitement relatifs aux nuisances sonores, aux nuisances lumineuses, aux questions relatives aux vibrations, aux risques sismiques et autres. Ça, c'est donc pour la phase chantier. Pour la phase opérationnelle, puisque je parlais d'un ouvrage qui va durer au moins 30 ans, deux aspects reviennent. Sur l'aspect, tout d'abord, le côté sonore. Donc, concernant ces nuisances en exploitation, Engie confirme que la conception du bâtiment intégrera des études, sera faite sur la base d'études acoustiques, de sorte que le niveau sonore extérieur sera très limité. Et ceci se mesure. Engie a par ailleurs proposé d'organiser une visite de la centrale de Rueil-Malmaison, qui est située à moins de 35 mètres d'habitation, et qui est en fonctionnement, pour se rendre compte de l'impact réel sonore, puisque rien ne vaut la réalité pour constater ce qui se passe. Sur l'aspect paysager, certaines contributions parlent de l'impact visuel d'un bâtiment industriel. Je mets industriel entre guillemets. Alors effectivement, si on compare, par exemple, à la centrale qui est installée à Vélizy, là, on est dans une zone industrielle et on ne peut pas dire que ce soit très qualitatif. Nous, on est dans un espace très regardé et comme je rappelle à nouveau, le fort niveau d'exigence des ABF qui sont intervenus à plusieurs reprises sont une garantie supplémentaire sur sur ce qui sera réalisé. Suite à la réunion publique, toujours, un document d'insertion a été réalisé depuis le troisième étage d'un immeuble de la résidence des Domaines pour visualiser sur plan, bien sûr, cette fois-ci, l'échelle du bâtiment prévu et ce que ça peut donner. Alors, dernier thème, ce sont des questions relatives au second projet ou doublé, devrais-je dire, sur des questions qui portent sur la temporalité, quand est-ce que ça va se faire, ou des questions très techniques que je vous épargnerai et je vous invite en ce sens à lire le document. Donc, sur la base de tout ce que je viens de résumer rapidement, alors que la matière est beaucoup plus dense, je vais conclure sur le fait que la commune prend acte de la participation de nombreuses personnes à cette concertation, de l'accord global sur le principe de la géothermie. Je note que les réponses apportées permettent de mieux appréhender les mesures à envisager pour maîtriser les risques et les nuisances. Nous avons encore différents services de l'État qui seront amenés d'ailleurs à se prononcer sur l'étude d'impact et sur l'évaluation environnementale et qui vont traiter à nouveau de ces sujets et éventuellement faire des propositions ou des prescriptions. Donc, dans l'attente de leur avis, notre bilan, donc la commune souhaite réaffirmer l'attention qu'on va porter bien sûr en phase chantier et au-delà sur la maîtrise de ces nuisances en tenant compte en particulier des points suivants. Donc, examiner en fonction des contraintes techniques qui guide le principe de continuité du forage, donc 24 heures sur 24. Donc nous souhaitons que soit réexaminée la possibilité d'aménager dans le rite hebdomadaire une période plus calme au bénéfice des riverains proches, par principe. Garantir, bien sûr, l'entier respect de la réglementation en matière d'émergence sonore, en augmentant si besoin les protections et mesures acoustiques pendant la phase de forage, qui est la phase difficile. Demander la mise en place pendant les travaux d'un médiateur chargé de répondre aux sollicitations des riverains pour ne pas les laisser seuls avec leurs questions. Et préserver sur le PLU la protection réglementaire aujourd'hui des écrans végétaux qui existent entre le site du projet et les habitations riveraines. Aujourd'hui, on a deux rideaux d'arbres et il faut à minima conserver cela. Cela n'interdit bien sûr pas à Engie d'intégrer en fonction des possibilités
au moment du permis de construire, par exemple, une densification de ces écrans, une densification supplémentaire de ces écrans végétaux. Et donc, pour être tout à fait complète, comme l'a rappelé M. le maire, l'ensemble des documents est disponible de demain ou lundi. Enfin, M. le maire a dit demain. Je rappelle que l'évaluation environnementale est en cours, que les services de l'État vont également donner leurs avis et que l'ensemble de ces documents, donc le bilan de la concertation, l'évaluation environnementale et les avis des services de l'État, feront partie ou seront des données de base de l'enquête publique à venir, donc nouvelle enquête, qui aura lieu d'ici l'été ou au cours de l'été ou autour de l'été, on va dire. Et voilà. Et donc, je vous propose de prendre acte de ce bilan résumé. Alors, merci beaucoup, Madame Thémenides. Je donne la parole à Nicole Alquier et Dorothée Bilger et je complète après. Madame Alquier. Si. Alors, la délibération présente est donc le prélude à une mise en conformité du PLU de Roquencourt pour le site de la géothermie pour notre commune que vous avez validé seul avec Engie, à savoir la boucle Est. Non, Est et Ouest. Oui, Ouest, c'est pour le deuxième projet. Bon, c'est ce qui est écrit dans les documents. Enfin, c'est... Non, la mise en compatibilité, oui. Elle porte sur les deux projets, oui. Donc c'est la boucle Est, oui. Et la boucle Ouest. Oui, mais c'est la boucle Est qui va concerner le chenier Roquencourt principalement. Non, ça n'a, au contraire, à La Réunion, on a bien dit, le deuxième projet a vocation à alimenter cinq communes. Oui, mais c'est autre chose. Oui, c'est le deuxième projet, je parle cinq du communes. Premier projet. Oui, c'est autre chose. C'est un autre projet, on est d'accord. Oui. Ça n'aurait rien changé sur l'emplacement des bâtiments, Madame Alquier. Voilà. Bah, justement, c'est bien ce que je veux vous dire. Cette information a été découverte par les élus et la population lors de la réunion publique du 13 février 2023, sans aucune concertation préalable, quant à l'emplacement précis des infrastructures de géothermie et notamment des bâtiments. Cette délibération valide de facto pour notre commune la seule boucle Est, de ce qui concerne notre commune aujourd'hui avec la copropriété de Parly 2. 1. Selon le document projeté à la réunion publique du 13 février 2023 sur l'évolution du PLU, une qualification différente sur la boucle Ouest et sur la boucle Est. Cette dernière étant la seule retenue pour les infrastructures de géothermie qui nous concerne directement. 2. Un bâtiment important de... Mais je parle de la... La boucle Ouest, c'est pour faire le forage pour l'autre projet. Oui, mais l'autre projet concerne également la ville, Madame Alquier. Oui, je sais. Mais non, mais là, vous ne pouvez pas dire je sais, et là dire le premier projet concerne que le chenier Roquencourt. Le deuxième projet concerne évidemment aussi le chenier Roquencourt. Oui, mais je ne peux pas vous laisser dérouler tout votre argumentaire en disant l'exact au contraire. Vous ne pouvez pas me dire oui et dire exactement le contraire quand vous prenez la parole. Ce qui est très important, c'est le premier projet, c'est celui-là qui va appeler les deux. Les deux sont complètement briqués, Madame Alquier. Et vous ne pouvez pas dire. Ça ne change rien à mon argumentaire. Si. Mais non, je ne laisse rien penser du tout. Si, réécoutez-vous. Vous venez de dire que le deuxième projet ne concernait pas la ville. Genre, c'est pour les autres communes. C'est plus loin. Mais c'est faux. Avec d'autres c'est communes. C'est faux. C'est faux. Ça concerne ça toutes les autres copropriétés, oui, autres que celle de Parly 2, sur la commune. Oui, mon argumentaire concerne l'impact sur les habitants. Alors, excusez-moi, laissez-moi parler quand même. Ben oui, mais juste, il est complètement biaisé, votre argumentaire. Mais non, il n'est pas biaisé. Bon. Ou alors je mais non, mais non. Alors, 2. Un bâtiment important de 7 mètres de haut, surplombant la zone le long de la RD 307. 3. La nécessité de l'abattage de nombreux arbres remarquables, dont un magnifique séquoia, sur une zone d'espace vert. Il ne sera pas abattu, justement. C'est pas grave. On va voir. On va noter. Mais c'est tout vu, mais c'est pas grave. Ben on va voir, on va voir. Madame Alquier, c'est comme d'habitude, vous proférez des contre-vérités. Je suis désolé parce que là, le cas présent du séquoia. Je ne dis pas que c'est l'abattage du séquoia. Vous venez de dire l'abattage du séquoia. Madame Alquier, vous venez de le dire, il y a 30 témoins. Enfin, vous ne pouvez pas me dire non, je n'ai pas dit, etc. C'est compliqué c'est de vous suivre. Dans une zone où il y a déjà un magnifique. Ce que je suis en train d'expliquer, oui. C'est que c'est une zone très arborée, d'espace vert très arboré et très fréquenté par les habitants de la ZAC du Bourg, notamment les parents et les élèves qui se rendent à l'école Chèvreloup. Je suis allée voir et j'ai vu passer les habitants. Excusez-moi. 4. Très fréquenté, Madame Alquier. Hein. Ah ben, les enfants vont à l'école par là. 4. Des remaniements importants de la voirie et des difficultés de circulation prévisibles sur la RD 307 et la RD 186.
comme l'indique d'ailleurs le courrier du Conseil départemental des Yvelines que vous nous avez transmis. Et 5, la proximité directe avec de nombreuses habitations, maisons et immeubles situés à respectivement 44 mètres et 56 mètres, c'est dans le rapport, de la zone de forage, avec la certitude de nombreuses nuisances sonores, olfactives, visuelles, lumineuses et environnementales pour les habitants. Votre bilan de concertation délivre une conclusion un peu trompeuse des avis des personnes qui se sont exprimées sur le sujet, dans ce qui est écrit, hein, pas dans ce que vous avez dit tout à l'heure. La vérité est que la population est globalement favorable au projet de géothermie, effectivement, mais majoritairement défavorable au choix de l'emplacement retenu, de façon assez logique, compte tenu de ce que je viens d'exposer. Donc je tiens à redire que notre groupe est favorable à la géothermie et je rappelle quand même que les premières démarches pour ce projet ont démarré en 2018 avec les premières autorisations pour Engie en 2019. Sur le plan de la méthode, comme d'habitude, vous avez travaillé seul et nous sommes devant le fait accompli quand même. Et aucun document d'étude sur d'autres lieux d'implantation ne nous ont été communiqués. Or, il nous semble possible d'améliorer la recherche d'un site moins pénalisant pour les habitants et de retravailler sur toute la zone ouest avec les ABF et le département, sans perdre de temps, bien sûr, comme cela a pu se faire dans le passé. Les élus de Roquencourt sont là pour l'attester et nous aurions pu y être associés. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra ce soir. Cette abstention témoigne de notre volonté de faire de la géothermie pour la copropriété par les deux, mais pas au détriment des nombreux habitants au nord de la commune. Madame Bilger, je ferai une réponse globale. Merci. Oui, c'est un dossier sur lequel je ne suis pas à l'aise du tout, je vous le dis très franchement, pour la bonne raison que, comme vous le savez, je suis quand même très impliquée dans la copro de Parly 2 et ce projet de géothermie est bien évidemment un projet que je porte et qui est une, non seulement une opportunité pour la copro, mais bien au-delà, pour la ville du Chesnay-Roquencourt. Donc là-dessus, je n'ai aucune ambiguïté. C'est bien la raison pour laquelle je suis un peu inquiète sur la possibilité de recours sur ce dossier qui pourrait éventuellement retarder la faisabilité du projet. C'est plus ça qui me pose problème. Et donc, parce qu'il est légitime d'entendre effectivement un certain nombre d'interrogations. Bon, on va parler très spécifiquement donc, du domaine de Roquencourt. Donc, un certain nombre d'autres emplacements avaient été proposés. Un plus spécifiquement qui est celui, le terrain dit des Serres. Donc j'ai lu effectivement la réponse qui a été faite du conseil départemental. Alors sans être une experte, hein, je suis restée comme un tout petit peu sceptique sur deux, trois choses qui concernent notamment l'aspect autoroutier quand même de la départementale, hein, c'est quand même écrit, et sur le nombre effectivement d'abattages d'arbres, etc., etc. Bon, il s'agirait d'abattre quelques arbres, alors vous me direz que je suis spécialiste des abattages d'arbres, c'est tellement facile que je me permets de le dire. Donc voilà, non, beaucoup plus sérieusement, il aurait été bien d'avoir une vraie étude de faisabilité de la part d'Engie sur le sujet, pour une bonne fois pour toutes, nous dire c'est possible ou ça ne l'est pas. Voilà, pour couper court effectivement ce qu'on pourrait envisager de c'est faisable ou ce n'est pas faisable, et pour éviter effectivement des recours qui pourraient pénaliser le projet pour l'ensemble de la ville. Voilà. Bien, merci à toutes les deux pour vos interventions. Je vais essayer de... Voilà. De faire court, mais de vous éclairer. Donc, je redis, Madame Alquier, je suis désolé, mais votre propos était pour le moins confus sur le premier et le deuxième projet. Je redis que ces deux projets intéressent la commune et c'est heureux parce que sinon, nous aurions eu en face de nous des gens qui auraient à bon droit considéré conserver uniquement les intérêts d'une copropriété. Je redis aussi que si le deuxième projet existe, c'est parce que le premier projet, à l'initiative de la CoPro, a permis à l'État de se positionner et de faire apparaître le deuxième projet. Sans le premier projet, il n'y aurait pas eu le deuxième projet. Je partage, Madame Bilger, vos interrogations, vos inquiétudes, etc. J'aurais pu faire le choix de considérer que ce dossier était très compliqué et de ne pas l'ouvrir.
j'aurais évité de la concertation, de l'agitation, etc. J'aurais pu dire à un moment, techniquement, c'est pas possible, j'ai pas terrain, passez votre chemin, merci, au revoir. Parce que quand même, ça restait très compliqué. Ou j'aurais pu dire à la copro, bah, très bien, trouvez-moi un bout de terrain sur la copro de Parly 2 pour faire le forage. Voilà. Mais on sait tous que la copro est dense. Voilà. J'aurais pu faire le choix de sacrifier un terrain de foot. Je ne l'ai pas fait, mais je l'assume. De sacrifier la réserve foncière du cimetière, je ne l'ai pas fait, je l'assume. Je rappelle que dans ces deux endroits, nous aurions eu de toute façon des riverains en proximité. Donc de toute façon, à la fin de l'histoire, exception faite du terrain des serres, mais je vais revenir dessus, il y aurait eu de toute façon des administrés qui auraient été gênés pendant la phase de forage et sans doute après. Et je n'ai rien contre la résidence du domaine parce que c'est elle qui est aujourd'hui la plus concernée par le projet tel qu'il est construit. Mais de toute façon, il y aurait eu des administrés qui auraient été concernés par ce double projet parce que ça m'éviterait de dire que c'était aux Parlysiens d'assumer ça. Comme le projet intéresse tout le monde, on aurait gêné de toute façon. Mais c'est la question de l'intérêt général. Sinon, on n'aurait jamais fait d'autoroute, de ligne à grande vitesse, de centrale nucléaire, etc. À un moment, au nom de l'intérêt général, on va à un moment créer des nuisances aux proximités d'administrés. J'en suis conscient et je le regrette. J'aurais adoré, comme à Vélizy, avoir une zone industrielle un peu éloignée. Je ne l'ai pas parce qu'on est dans une ville très dense et une ville d'habitation. C'est comme ça. Les friches industrielles, il y en a eu à une époque, mais elles ont toutes été urbanisées. Je ne vais pas remonter 30 ans en arrière. On n'a plus de terrain dispo. Donc sur la question du terrain des serres, ce n'est pas à Engie de se positionner. Engie peut tout faire. Comme ça a été dit, ils peuvent tout raser, et bien évidemment qu'ils peuvent faire un forage à cet endroit-là. La question, et c'est l'État et c'est les ABF qui vont devoir clairement dire ce qu'il en est, la proximité avec l'arboretum est a priori trop importante pour envisager une installation, et l'accès, vous pouvez en douter, etc. Mais je vais vous donner une petite anecdote. À un moment, on a eu un petit sujet, ces semaines passées, de stockage de déchets verts, des grands spécialistes dans la salle. Et donc, on a envisagé d'utiliser notre terrain des serres pour aller déposer nos pauvres déchets végétaux. L'aménagement de l'accès pour la petite camionnette pour entrer, voilà, c'était 250 000 euros. Et je pense qu'on n'était pas en sécurité pour faire accéder une petite camionnette de déchets verts. Là, il s'agit d'amener des poids lourds pour de la maintenance, au-delà de la phase de travaux, etc. Une fois que le site est installé, il faudra au moins une fois par an amener des poids lourds, etc. Donc la réponse du département, elle est liée au fait qu'à un moment, sur ce terrain, et c'est pour ça que le choix s'est porté plutôt sur les délaissés, parce que l'accès des poids lourds y est moins compliqué ou plus facile, que d'aller sur le terrain des serres. Et quoi que vous en pensiez, les délaissés sont quand même sensiblement moins arborés que le terrain des serres. Je rappelle quand même qu'on est sur des alignements, qu'on est sur la zone la plus surveillée, puisqu'on est sur l'allée royale. Et ce n'est pas moi qui fais les lois. Les statuts des terrains à gauche et à droite ne sont pas les mêmes. Les statuts du délaissé ouest et du délaissé est ne sont pas les mêmes. Et je vous informe qu'en ce moment, l'État, qui n'est pas avare de procédures, est en train d'étendre la zone de protection du domaine royal de Versailles et que d'ici quelques semaines, on ne pourra plus rien faire du tout. Et Dieu sait qu'on ne manque pas déjà de sujets de protection. Donc voilà. Mais c'est à l'État d'apporter la réponse. Et j'entends ce que vous dites, Mme Bilger, je ne suis pas l'État. Et Dieu sait que je souffre suffisamment au quotidien des innombrables contraintes qu'on nous impose. De temps en temps, elles nous protègent, mais elles sont quand même extrêmement contraignantes. Et je vous avoue que, je le rappelle, quand on a débattu de ça en juillet 2020, la majorité s'est abstenue parce que le sujet était compliqué, qu'on ne voulait pas donner un blanc-seing parce qu'Engie avait un droit de prospection, etc. Il fallait qu'on s'imprègne du dossier et ça fait partie de mes premiers rendez-vous. La copro de Parly 2 est venue très vite m'expliquer que c'était très urgent, qu'il fallait faire ça tout de suite. C'était juste très compliqué. Et il y avait très peu de terrain. Et de toute façon, je savais qu'à un moment, si jamais nous trouvions un terrain, il y aurait forcément un sujet avec les riverains en proximité. Et donc on est en ce moment en train de travailler ce sujet. Et donc c'est tout à fait normal, et je l'ai dit, et je salue l'état d'esprit dans lequel les gens de l'AFU sont venus nous voir pour porter leur sujet. Ils ne sont pas là pour porter l'intérêt général, ils sont là pour protéger leurs intérêts particuliers, c'est normal. Et moi, le maire, je suis là pour essayer d'expliquer à tous mes administrés la manière dont je pense devoir être défendu l'intérêt général. Mais j'aurais pu, pour m'économiser un certain nombre de migraines, dire c'est trop compliqué au Chesnay. Et la géothermie, ce n'est pas pour nous. Voilà, donc je fais ce choix-là. Il n'y a pas 36 000 terrains, et donc on va attendre, maintenant qu'on a reçu les nombreuses contributions et qu'on a essayé d'y apporter les éléments de réponse les plus précis, attendre que les services de l'État objectivent ça. Je voudrais redire, Madame Alquet, sur le fait que j'ai décidé de tout seul. Non. Une équipe majoritaire, elle est là effectivement pour instruire les dossiers. On n'instruit pas les dossiers à 40, ça c'est sûr. Et donc j'assume pleinement, et je reviendrai sur votre question diverse, sur le fait qu'à un moment, le maire et l'équipe et les élus
quelques élus qui ont les délégations travaillent sur ces dossiers, parce qu'on ne travaille même pas à 30 sur des dossiers comme ça. Ce n'est pas que j'aime pas mes petits camarades, mais à un moment, voilà. Mais par contre, on ne travaille pas seul. Le projet tel qu'il est présenté, ça fait 2 ans qu'on travaille avec effectivement l'industriel, avec tous les services de l'État, et Dieu sait qu'il y en a. Avec l'architecte des bâtiments de France, ça a été dit par Mme Tenides, qui s'était placé plusieurs fois sur le site et qui nous a fait bouger à gauche, à droite, au milieu, j'enterre, je déterre. Voilà. Donc on a eu beaucoup d'itérations pour arriver à un moment à une copie qui évidemment n'est pas parfaite, mais qui n'est pas la lubie d'un maire tout seul dans son bureau qui dit tiens, paf, je vais mettre ça là, ça m'amuse et je vais faire chier tout le monde. Non, je ne peux pas vous laisser non plus faire croire ça. C'est un travail collectif, c'est un travail extrêmement compliqué, c'est un travail extrêmement engageant sur les finances privées et publiques. Hein, un projet à 90 millions d'euros dont 30% ou 40% de financement public, vous doutez bien que je ne suis pas le seul à mettre mon nez dedans. Et j'essaie de faire en sorte d'imaginer ce que ça va apporter comme service à mes administrés en contrepartie d'un coût de gêne, etc., que je ne veux pas sous-estimer. Et sur lesquels, effectivement, on essaie d'apporter le plus vite possible des éléments d'éclairage. On ne réglera pas tous les sujets, mais je veux que chacun comprenne que la copie qui est présentée, à un moment, on fait le choix, en tout cas la politique que j'ai, de nous présenter devant les administrés avec un projet à peu près ficelé. Parce que si je viens avec 5 ou 6 options, qu'est-ce que je vais avoir? Tout le monde va me dire on est pour la GOT, monsieur le maire, mais pas chez nous. La belle affaire. À la fin de l'histoire, il faudra quand même que je choisisse. Et j'aurai juste énervé tous les quartiers de la ville. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais peut-être que c'est une méthode que vous préférez. Moi, je pense qu'à un moment, il vaut mieux qu'on ait fait un certain nombre de travail préparatoire et qu'on fasse démonstration. Ce qui reste à faire, que ce scénario que nous présentons, c'est sans doute le moins mauvais. Qu'on a étudié pas mal d'options avant et qu'on a évacué un certain nombre d'options, certaines sous ma responsabilité, d'autres parce que l'État a dit bah, à cet endroit-là, c'est même pas en rêve. Voilà. Et qu'on arrive à un moment, si on avait ne serait-ce que 2 ou 3 scénarios, qu'est-ce que ça me coûterait de vous dire, OK, il y a 2 ou 3 scénarios à peu près équivalents. Voilà. Mais j'en en ai pas 2 ou 3 parce qu'on a très peu de terrain disponible pour le terrain du forage. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je redis qu'on est dans une phase de concertation, que la messe n'est pas dite, qu'il va y avoir une enquête publique, que j'attends effectivement qu'un certain nombre de services de l'État reviennent, réexpliquer, argumenter, éventuellement venir rencontrer un certain nombre d'administrés pour redire avec leurs mots à eux quelles sont les contraintes qui nous sont imposées. Je pense que ça reste un bon projet pour la collectivité. Peut-être que, je ne sais pas comment évoluera le prix du gaz, la géothermie sera peut-être un peu plus chère que le gaz demain, mais il n'en reste pas moins que ce sera une énergie décarbonée et qui échappera aux aléas de la géopolitique. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il advienne, ce sera plutôt un bon choix pour la ville. Et donc, effectivement, comme tous les grands projets, à un moment, il y aura une phase travaux pénible et on n'abandonnera pas les riverains les plus exposés. On va essayer d'être pédagogue, d'atténuer au maximum ce qui peut l'être. Mais je ne sais pas aujourd'hui, en l'état actuel des choses, sortir un projet de géothermie qui soit complètement transparent pour tout le monde. Ça, je ne sais pas faire. Et donc, entre ne rien faire et faire un projet avec des nuisances qu'on va essayer d'atténuer au maximum, je fais ce choix-là. Et si jamais il y a d'autres options moins pénalisantes, on les étudiera. Je ne suis pas fermé. Mais pour l'instant, avec les infos qu'on a bien voulu me donner à ce stade, je n'ai pas 36 options autres que celles qu'on vous a présentées, qui est en termes à la fois de coûts, de calendrier. Hein, Mme Bilger l'a rappelé. On avait aussi, au moment de la constitution de notre projet, des échéances. Donc on a essayé de régler au maximum toutes les équations et de faire en sorte que ce projet puisse sortir de terre dans un délai qui convienne à l'ensemble des parties prenantes. Ça fait aussi partie des éléments. Et donc à un moment, quand vous avez des terrains relativement disponibles et un propriétaire relativement accueillant sur le projet, parce que le département a pu dire bah, « t'es mignon, mais nous, la géothermie, c'est pas notre sujet », bah, peut-être qu'on aurait fait une croix complète sur le projet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc je redis que tout le matériau qui a fait l'objet de la synthèse qu'a présentée Mme Tamindès sera disponible demain, je ne sais pas quelle heure, mais demain, sur le site de la ville. Et s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vais vous demander de prendre acte, hein, Valine, c'est ça, de la restitution de cette première étape de la concertation. Et donc pas de voter pour ou contre, mais voilà, de bien vouloir prendre acte de la restitution, même si le contenu n'est pas complètement en phase avec ce que vous souhaitiez. Merci. Je vais alors passer la parole à Madame Bélier. Mais je tourne pour hop là, pour une convention d'objectifs et de financement avec nos amis de la CAFI permettant le versement de la petite prestation de service unique pour la période 2023-2026. Ouais, Madame Bélier, vous avez la parole. Non, c'était ironique. C'était ironique. N'est pas si petite que ça. Donc oui, nous allons vous demander de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement
avec la CAFI, qui sont identiques à celles qui ont été signées précédemment, puisque actuellement la convention d'objectifs de la CAFI n'est toujours pas établie pour les années 2023-2026. Donc en attendant, on va reproposer les mêmes textes à la CAFI pour que nous puissions obtenir environ 2 millions d'euros d'aide au fonctionnement des crèches. Voilà, et donc il y a 8 conventions à signer qui correspondent aux 8 crèches que nous avons. Merci Madame Bélier. Est-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci. Madame Bélier, vous gardez la parole pour le modificatif sur la fermeture d'été de l'accueil familial. Voilà, donc depuis le 22 août 2022, l'accueil familial est maintenant relié à la crèche La Pépinière, crèche qui est fermée 4 semaines l'été, alors que la crèche familiale antérieurement était fermée 3 semaines. Et cela nous obligerait à garder un cadre, c'est-à-dire soit la directrice, soit l'adjointe, pendant une semaine pour 3 assistantes maternelles. Donc il nous a semblé raisonnable, compte tenu de la demande des parents qui sont tous d'accord et des assistantes maternelles qui sont toutes d'accord, d'aligner les congés d'été avec les congés d'été de toutes les autres structures. Merci Madame Bélier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Merci. Délibération suivante concerne la gestion du marché forain situé rue des Deux Frères avec une adoption de principe de la délégation de service public local. La parole est à Monsieur Jarige. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Aujourd'hui, la gestion du marché forain des Deux Frères fait l'objet d'une délégation de service public. L'actuelle a été mise en place donc pour 18 mois, en partant donc du 1er juin 2022 et se terminera donc le 30 novembre 2023. Ainsi, il y a lieu de se prononcer sur une nouvelle DSP. Donc, nous vous proposons une DSP qui partirait donc du 1er décembre 2023 et qui se terminerait donc le 30 novembre 2024. Ce contrat, d'une courte durée, donc d'un an, permettra donc d'assurer la continuité du service public pendant la période d'élaboration du projet de réfection et d'amélioration de ce marché forain. En effet, donc, nous avons commencé une étude sur ce marché afin de voir donc, d'ici un an la possibilité ou non de le refaire en partie. Voilà. Merci, Monsieur Jarigi. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur le marché forain? Madame Bigère. Oui, je trouve un petit peu dommage depuis votre arrivée, en fait, de repousser d'un an en un an cette DSP. Il y avait eu beaucoup d'envie au démarrage, ce qui est légitime. Hein. On n'a même pas eu du tout de commission paritaire du marché depuis votre arrivée. Enfin bon, c'est très bien de dire que vous allez faire des choses, mais dans les faits, il ne s'est rien passé du tout. Donc, je n'ai pas de problématique à repousser une fois de plus cette DSP. Mais à quel moment va-t-on voir ou pas quelque chose apparaître sur ce marché? Merci. Alors, je vais laisser la parole à M. Jarige qui va montrer que l'envie est toujours intacte, mais que parfois les procédures sont un peu plus compliquées. C'est vrai que l'envie est là depuis 2 ans, donc pour différentes solutions. Donc, on a décalé ce problème et on a démarré vraiment le dossier depuis septembre 2022. Donc, c'est vrai qu'on a monté le dossier à partir de cette date. On a donc sélectionné l'AMO au mois de janvier dernier. Donc là, on est en pleine phase de prospection et d'études. Donc, on a une première réunion qui aura lieu donc début mai afin de faire le point sur ce projet. Mais c'est vrai qu'on aurait dû le faire et pu le faire avant, mais bon, pour différents facteurs, donc on a été décalé dans le temps. Sinon, on a quand même fait au niveau du marché, on a quand même fait une réunion donc avec tous les membres en 2021. Il est vrai qu'on n'a pas fait de réunion en 2022 pour différentes raisons, plutôt de la part de nos commerçants qui n'étaient pas disponibles aux différentes dates qu'on a proposées. Mais le projet est toujours là, donc on travaille dessus d'arrache-pied. Et j'espère vraiment qu'on pourra aboutir à une solution pour décembre 2024. Mais le dossier est complexe, très compliqué, surtout à cause donc, de tout ce qui est copro donc, de chaque côté, donc ce n'est pas évident. Donc le dossier va être compliqué et complexe. Mais bon, on y va. Mais c'est pas mal aussi. Voilà. C'est moins complexe, mais ça va être quand même assez long et compliqué. Non, mais je vous avais souhaité beaucoup de courage au démarrage. Oui, je sais très bien. Et je vous remercie beaucoup. Et on en a et j'en ai. Et mais ça serait sympathique d'être associé aussi à vos idées. D'accord. Voilà. Pas de problème. Je note.
Madame Alquier. Je concours aussi à cette idée. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dans un état assez dégradé. Donc, il est temps quand même d'attaquer le problème. Et j'ai relevé la MOE qui va coûter 48 000 euros. Voilà. Le prix de l'accompagnement. Tout à fait. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, merci. Je vais juste faire un peu de rétropédalage pour que formellement, j'enregistre le vote de la prise acte du débat sur la géothermie. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre le fait qu'on ait pris acte du bilan de la concertation ? Y a-t-il des abstentions ? Une, deux, une abstention. Et pour le reste, donc à la très grande majorité, M. Aubé, est-ce que c'est bon cette fois-ci ? C'est propre, parfait, merci. Alors, nous arrivons presque au terme de ce petit marathon. Il reste une dernière délibération concernant les délégations du Conseil que vous voudriez bien m'accorder. Donc, il ne s'agit pas d'étendre mes pouvoirs au-delà du raisonnable, mais de permettre de manière aussi simple que possible de pouvoir offrir un cadre juridique à l'expérimentation de vélos et électriques en libre-service et trottinettes en libre-service pour me permettre de pouvoir conventionner avec l'opérateur et de recevoir les droits de voirie, c'est-à-dire que ça nous évite de faire une modification de la grille tarifaire. C'est à peu près le même véhicule juridique que ce que je vous ai demandé pour les IRVE. J'attire votre attention que sur cette expérimentation, si vous lisez la presse attentivement, il y a deux communes de VGP qui ont mis fin à l'expérimentation. Non pas pour des raisons de sécurité, etc., mais pour des raisons business. C'est juste pour rappeler qu'on peut se retirer facilement de l'expérimentation. Donc pour ceux qui étaient inquiets du caractère irréversible, je redis, c'est que de la peinture et de la géolocalisation. Vous avez évidemment, comme moi, suivi l'actualité parisienne, mais je vous invite aussi à suivre l'actualité de l'Île-de-France et la prise de position de M. Baudet, ci-devant vice-président en charge des mobilités de la région Île-de-France et qui réexplique dans un article assez documenté que la banlieue, c'est pas Paris et qui lui est plutôt sur l'idée que ce type d'outil a toute sa place dans des territoires comme les nôtres. Voilà. Donc tout ça pour dire que je maintiens qu'il est intéressant que nous puissions faire cette expérimentation et qu'elle est non seulement très peu engageante sur nos infrastructures, qu'elle risque de nous rapporter un peu d'argent et qu'on n'est pas à l'abri qu'elle réponde à quelques besoins de mobilité. Voilà, donc si vous voulez bien m'accorder les pleins pouvoirs pour conventionner avec Tier Mobility, je vous en remercie par avance, mais je comprendrai qu'il y ait des inquiétudes, etc. Y a-t-il des souhaits d'intervention avant de passer au vote ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Ah, une rebelle. Donc une abstention, et donc à la très très grande majorité. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur les décisions ? Je n'en vois pas. Il y a une question diverse. Madame Alquier, je vous laisse la poser avant que je reparte chercher les quelques infos que je vous dois. Alors, nous sommes informés par des habitants d'un certain nombre d'événements concernant l'urbanisme de la ville, alors qu'aucune information ne nous a été communiquée lors de la dernière commission d'urbanisme, dont c'est pourtant l'objet. Il en est ainsi de l'INRIA, dont le personnel aurait été informé d'un départ possible en 2030. Il en est ainsi du CPH, qui aurait quitté l'immeuble en face du centre commercial de Parly 2 pour aller à la porte de Buc en vue d'une démolition du bâtiment et la construction d'un nouvel ensemble immobilier. Pourriez-vous nous informer sérieusement les élus de notre commune sur ce qui se passe dans notre ville et sur l'état d'avancement de tous les projets immobiliers ? Alors, Madame Alquier, si la question c'est de vous informer sérieusement, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, je donne de l'info quand elle est sérieuse. Donc, vous vous empêchez de discuter avec les habitants de notre ville n'est pas dans mes pouvoirs, et puis ce n'est pas mon souhait. Vous avez eu la prudence, pour une fois, d'utiliser le conditionnel. Libre aux gens qui vous informent de vous donner des informations au conditionnel. Après, vous dire que des gens sont venus me voir et viennent me voir régulièrement pour me parler de leurs projets, c'est dans les fonctions du maire d'accueillir des gens qui ont des projets. Donc, évidemment qu'il y a des gens qui viennent voir pour des projets. Sur la question de quand est-ce que j'informe officiellement les différentes instances et notamment le Conseil, ben quand je suis à peu près sûr d'eux. Ça fait juste 30 ans que le dossier INRIA est sur la table. Peut-être qu'effectivement les salariés de l'INRIA vont partir et peut-être qu'à ce moment-là, des choses vont bouger. Mais ça fait 30 ans. Donc évidemment, depuis que je suis maire, je m'intéresse au dossier INRIA. Mais j'ai aussi appris à être prudent. Le dossier INRIA, le jour où il se décoincera à très très haut niveau. À très très haut niveau. Il faudra monter vraiment presque au sommet de la pyramide de l'État, c'est comme ça.
Donc on discute évidemment, mais il n'y a absolument rien qui me permette en l'état de donner des infos fiables. Je vous assure que dès qu'on aura des infos fiables sur l'INRIA, on vous les donnera. Sur Parly 2, qui est des projets d'évolution, peut-être, mais comme plein d'autres projets, il n'y a pas de permis de construire de déposer, il n'y a pas encore d'avis des ABF. Donc à un moment, le moment où j'estimerai que les projets sont suffisamment consolidés, je reviendrai officiellement vers vous. Après, chacune et chacun discute avec des parties prenantes. Mais je n'ai pas vocation, moi, en tant que maire, à passer chaque conseil, à vous informer de tous les projets. Je rappelle qu'il y a un projet qui a été abandonné il n'y a pas très longtemps sur le secteur du parc, qui a agité beaucoup d'habitants, et puis finalement qui a été retiré. Mais ce n'est pas le job du maire de faire de l'info sur l'actualité des projets immobiliers. Moi, je vous informe quand, à un moment, des projets sont suffisamment durs. En tout cas, c'est le choix que je fais. Mon prédécesseur avait tendance à présenter beaucoup de projets qui n'ont jamais vu le jour. Hein. On a fait des réunions et des réunions et des réunions avec des slides de trucs qui n'ont jamais vu le jour. Bon, ce n'est pas mon choix. Et donc, je redis régulièrement, il n'y a jamais de bon moment pour parler des projets. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle des projets de Jussieu 15 ans à l'avance, je me fais engueuler. D'accord ? Et vous êtes la première à m'engueuler. C'est la vie du maire. Et quand je viens présenter des projets ficelés, je me fais engueuler parce que je n'ai pas concerté. Donc, de toute façon, il n'y a jamais de bon moment. Pour ce qui concerne l'initiative privée, et sur Parly 2, on est sûr de l'initiative privée, je ne vais pas passer, et ce n'est vraiment pas le rôle du maire, d'informer le conseil de tout ce qui se passe. Des promoteurs, j'en vois pas toutes les semaines, mais pas loin. Et donc, on est dans parfois le secret des affaires, parfois des prises de température. Une fois que le projet sera ficelé, parce que ce que j'aurais éventuellement pu voir sur Parly 2 est loin d'être ficelé, on verra ce que les ABF vont dire, etc. Et quand à un moment, il y aura un permis de construire déposé, oui, si le permis de construire entraîne une modification importante de l'environnement de la ville. Je vous donne un exemple, Madame Malquier, la semaine prochaine, à ma demande, on va rencontrer pour la quatrième fois M. Sageau sur un projet structurant. Je ne suis pas venu vous voir officiellement, etc., parce que ça fait juste 20 ans que le truc est sur la table. Et pourquoi je demande à voir M. Sageau ? C'est parce que depuis un an, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est propriétaire de Super U. Le jour où M. Sageau déposera un permis de construire, évidemment, vu l'ampleur du chantier, que je vous le présenterai dans le détail. Vous dire que je n'ai pas vu des esquisses, des plans, etc., ce serait vous mentir. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Et comme ça fait juste 20 ans, et demander à tous les riverains qui sont autour, ça fait 20 ans qu'ils entendent parler de ce projet, j'ai décidé, pour l'instant, d'être prudent. Donc, Madame Alquier, pour répondre à vos questions, vous discutez comme moi avec des gens qui vous donnent des informations à caractère semi-officiel, officieux, etc. Très bien. Voilà, le jour où il y aura des informations, et notamment pour en revenir sur l'INRIA, qui est un sujet extrêmement structurant pour la ville, le jour où il y aura des informations fiables, évidemment que j'en informerai le Conseil. Mais à ce stade, c'est prématuré. Je crois que c'est vous qui en avez parlé dans un conseil de quartier. Donc c'est quand même, donc vous avez sorti quelque chose. Et sur le CPH, on a déjà parlé de 600 à 1000 logements possibles, probables sur l'INRIA. Donc, c'est déjà un peu plus concret que des projets sur la planète. Et sur le CPH, j'ai compris qu'ils avaient quitté l'immeuble hier. Donc c'est quand même concret et c'est important qu'on sache ce qui se passe dans la ville, c'est tout. Je ne demande rien d'autre. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut que ce soit... Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut que tout soit ficelé et quand tout est terminé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je vais quand même rebondir sur la fin de votre question. Vous me dites, pourriez-vous informer sérieusement ? En tout cas, l'interprétation... On a une commission... Non, mais je termine. Une commission d'urbanisme, on n'a même pas d'information. L'interprétation que je fais du sérieusement, ça reste subjectif, mais je donne des infos quand elles sont suffisamment sérieuses. Et à ce stade, je n'ai pas de quoi vous donner des informations sérieuses. Avant de vous laisser partir, je voulais juste partager avec vous quelques dates, dont une qui arrive. Donc, on a un conseil municipal le 1er juin. Nous aurons, et c'est une obligation, un conseil municipal le vendredi 9 juin, comme tous les conseils municipaux de France, pour désigner un certain nombre d'électeurs au sénatorial. Et la date n'est malheureusement pas négociable. Donc vous pouvez dès à présent ou préparer vos procurations ou réserver votre soirée. Ce sera un conseil très rapide, mais je n'ai pas le choix de la date. Voilà. Pour l'instant, je vous demande également de réserver, mais on vous confirmera avant l'été, la date du mardi 5 septembre pour un possible conseil municipal sur la modification du PLU, mais je vous le confirmerai avant l'été. Et les trois dates retenues pour les conseils de fin d'année sont celles du mercredi 27 septembre, du mercredi 18 octobre et du jeudi 7 décembre pour essayer de tenir compte de l'excellente programmation culturelle et de ne pas mettre les élus en porte-à-faux entre la pièce ou le conseil.
mais vous connaissez ma position, vous avez fait le choix d'être élu, et dans les véhicules prioritaires, le conseil, c'est avant les pièces de théâtre. Ah si. Voilà. Et pour ce qui est des horaires, puisque nous avions décidé d'une expérimentation à 19h30, je vous propose de poursuivre dans ces horaires, parce que même en commençant tôt, des fois on termine tard. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt sur nos lignes.